Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Attendez.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Bienvenue en ce samedi matin. Voilà. Comme vous avez pu voir, petite annonce pour l'événement Cœur de Gamer. N'hésitez pas surtout à partager cette info. Voilà, voilà. C'est important le partage, c'est pour une bonne cause. Par contre, le son va très fort. Alors, attendez, le son va très fort. Je vais vérifier si c'est bon au niveau de Twitch, comme d'habitude. On fait un petit check-up avant de démarrer le live. Alors, attendez. Live. Alors, attendez. Ça me paraît bon, je m'entends parler, donc c'est bon. Salut Jérémy, coucou Jérémy, j'espère que tu vas bien, bienvenue à toi. Allez, on est parti. Petit live matinal, 10h27. Voilà, ma foi, c'est une bonne petite heure pour faire un live, tout simplement. Ça, c'est rare, je stream le samedi matin, mais là... Voilà, j'en profite. Je ne suis pas levé trop tard. Je n'ai pas dormi énormément, mais voilà, du coup, je dis. En plus, ma femme est au travail. Et j'y allais, on va s'occuper. On va continuer à farmer à fond. Sur ce jeu, c'est ce qu'il faut faire, de toute façon. Ça va bien, Jérémy, tant mieux. Tant mieux pour toi. Je pense que c'est week-end, à mon avis. Voilà, pour toi, je ne sais pas. En tout cas, merci d'être là. Voilà. On va continuer ce magnifique jeu. Bon, il est bien, franchement, il est très bien, il est prenant. T'as du contenu, t'as de quoi faire. Même dans les quêtes annexes, hein, il y a du boulot à améliorer tout. Et déjà, on doit améliorer son campement, déjà, avant tout. Donc, il faut énormément farmer. Voilà, énormément, pour pouvoir améliorer son campement. Et puis voilà, on va continuer un peu. Attends, week-end, c'est cool, là, c'est génial. Voilà, merci d'être là, Jérémy. Hein. Voilà, je vous passe une info importante, hein, surtout. N'hésitez pas à partager si vous avez des réseaux sociaux. À la fin du mois, événement Cœur de Gamer pour pouvoir récolter des dons pour l'association Make a Wish France. Voilà, c'est une association qui a pour but de... D'aider à réaliser des vœux pour les enfants malades. Donc c'est important, franchement c'est très très important. Donc je vais participer en tant que streamer. Il y a plus de 60 streamers qui vont streamer pour le Bifor, hein. Avant il y a le Bifor CDG3. Et ensuite il y aura CDG3 voilà, sur la chaîne principale de Cœur de Gamer. Uniquement sur la chaîne principale de Cœur de Gamer. Il y a également, faut pas oublier, sur la chaîne Cœur de Gamer 2, un event Destiny également. Voilà, donc je vous passerai toutes les infos au moment voulu, vous inquiétez pas. Il y aura assez d'infos qui sont diffusées pendant le live cette semaine. Je vous passerai plein d'infos. Voilà, donc je vous redonne éventuellement tous les liens pour ceux qui viennent d'arriver. Ça mange pas de pain, au contraire, faut partager à fond. Cet événement, c'est un truc qui me tient à cœur. C'est la première fois que j'ai participé en tant que streamer, donc voilà, moi je trouve ça super de pouvoir apporter un petit peu d'aide et d'entraide entre guillemets pour cet événement. Voilà, même si c'est pas grand chose, comme vous savez, je suis pas une grosse chaîne, il n'y a pas tout le temps du monde, mais le fait de participer, ça me fait plaisir. Voilà, c'est important de le. Voilà, je vais vous en parler toute la semaine de toute façon. Il faut que je passe à fond ce message. Voilà. Allez, je vous donne le lien également. N'hésitez pas à aller voir. Ah, tu as ta origine, d'accord. D'accord. Tu l'as mis en poste ce jeu. Ah bon, Jérémy. Tu as mis en poste ce jeu. Ah, c'est le jeu te plaît moins bien ou c'est parce que tu t'en lasses? Parce que là moi je suis à fond dedans là. Je suis vraiment à fond dedans, je fais que ça. Ah, je mange du Valhalla tous les jours. Hein. Au niveau jeu vidéo, je fais vraiment que ça. Hein. Voilà. Ah, ici, je vais pouvoir me TP. Alors, attendez, rendre compte à Ranvi. Ranvi qui se trouve ici. Voilà, là. Juste là. Bon, on va lui rendre compte. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, vous voyez, mon campement n'est pas terrible. Hein. Il me manque encore beaucoup d'éléments pour pouvoir améliorer la vie de ce campement. Là, tu voulais avancer dans Origin. Origin, il y a longtemps que je l'ai fait. J'ai terminé complètement. J'ai adoré Origin. Origin reste mon préféré. Voilà. Valhalla, j'adore, mais c'est pas du tout la même façon de jouer. Bon, ils ont gardé les bases des Assassin's Creed, c'est sûr. Il y a les bases, il y a toute la technologie du jeu en lui-même.
Mais pour l'instant, mais je pense que celui-là, vous allez voir, il va être très 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 long à faire. Quand on voit tout ce qu'on a à faire entre deux pour farmer, pour pouvoir éventuellement attaquer un campement, si t'es pas 160, il faut pas y aller, quoi. Je veux dire, donc il faut farmer à fond, voilà. Et le jeu va être très long. Bon, je pense qu'il sera certainement plus long qu'Origine. Mais Origine, j'aime bien. En plus, j'aime bien l'univers de l'Égypte. C'est un univers que j'adore. Donc c'est surtout ça, quoi. Voilà. Allez, on se déplace là-bas. Ah, tu l'avais pas fini, d'accord. Non, pas du tout, car je voulais pas avancer Origine, d'accord. Ok, Jérémy. Ok. Alors, c'est un peu long. Par contre, les temps de chargement un petit peu long. Est-ce que ma cam fonctionne correctement? On dirait que j'ai un peu de pixels. Non, ça a l'air d'aller. Et vous avez vu, hein, j'ai mis le maillot Assassin's Creed. Hein, c'est le maillot Assassin's Creed. C'est un maillot que j'ai eu l'occasion d'acheter à la Paris Games Week. Voilà. J'ai eu cette chance il y a l'année dernière, en 2019, d'aller à la Paris Games Week. Voilà, j'ai eu la chance de pouvoir y aller. J'avais prévu d'y aller cette année. Il faut que j'aille parler à Aïta. J'avais prévu d'y retourner cette année, mais vu avec la conjoncture actuelle, c'est plutôt compliqué. Je vais juste vérifier si le live passe bien. Si le jeu est pas trop sombre. Parce que j'ai dû refaire des réglages. Bon, ça a l'air d'aller, il est pas trop sombre. Non, ça va encore. Voilà. Ça va, ça se passe bien. Valranox, merci pour toi. J'ai pas vu que tu t'es arrivé. Merci pour le host, Valranox. Ah, désolé, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Il n'y a pas eu l'alerte host. Il n'y a pas eu l'alerte host. Merci à toi, en tout cas, j'espère que tu vas bien. Petit peu désolé de l'avoir. Je dois parler à lui. Alors, attendez. Hey, bonjour. Qu'est-ce qu'il me vend de beau, Nouvelle lui? cliente. Qu'est-ce qu'il me vend de beau, Toi, je lui? ne te reconnais pas, l'ami. Qu'est-ce qui vous amène ici? Vous êtes des marchands? Ah, bonjour, bonjour. C'est toi le chef de ce campement si animé? Je parle en son nom, on va dire. Nous venons de la part des Mille Regards, des vendeurs de marchandises peu courantes et de trésors exotiques venant de tous les coins du monde. Intéressant. C'est intéressant. C'est la S'il te première fois faut que je le quelque vois, lui. chose, nous l'avons. Et si nous ne l'avons pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Telle est notre devise. Je vois. Telle est notre Et devise. ce gamin est avec toi? Un gamin? Gamin? Mon ami, tu as devant toi le maître des Mille Regards, Ah, le d'accord, dirigeant de Varanox. notre Bien le pays, bonjour, Silver. une Je légende, vais bien. un Ah, héros de tant notre mieux. Merci, peuple je me remets de et là. le plus Soit riche d'hier, marchand d'accord. à l'ouest Ok, de l'Indus. bah, bon, j'ai Je pas te pu. présente Reda. J'ai Il pas pu parle de toi? vraiment, vraiment Eh passer oui, très, très, très et il longtemps va améliorer. C'est sur un ton live plaisir parce de que faire c'était part de ta naissance. une heure où je devais prendre le repas. Donc, je serais bien resté un peu plus longtemps, mais ça m'a bien fait plaisir d'aller te saluer. Voilà, merci, ça fait également. Merci de passer, ça fait super plaisir, plaisir. Voilà. Comment tu sais si que... Alors, j'ai l'impression de te connaître. Allez, on va répondre ça. Tu as l'air Voilà, étrangement donc je suis familier. sur euh, Je peux t'assurer que nous ne nous sur sommes Valhalla jamais vus. depuis Peut-être ai-je un visage banal. je suis à peu près à 30, 35 heures de jeu à peu Et près. que Voilà, puis-je faire 35 pour heures de toi? jeu Ou toi pour moi? en allant vraiment, vraiment tout C'est très doucement. simple. Contre une modique participation, je peux te mettre en relation avec un marché clandestin qui s'étend des dunes Oh, d'accord. d'Égypte Alors, on aux va écouter un landes petit peu ce qui se d'Angleterre. Quel raconte. genre de participation? Elle Pas de souci, varie selon d'accord. Bah, c'est l'article, sympa, ça fait mais il plaisir y a une de légère te voir. contrainte. Sur ce marché, tout se paie en opale. Intéressant. Ah, c'est lui qui rachète Elle a l'opale, une teinte d'accord. très étrange. Je peux la D'accord, prendre? d'accord. Tu peux la prendre et la garder, Eivor. Reda te l'offre pour te remercier de Alors, ton lui me immense donne l'opale, donc il hospitalité. rachète pas, alors. J'ai pas Maintenant, compris. regarde, découvre les J'ai marchandises que pas je tout te compris. propose. Ouah, c'est pas mal, ça. Apparemment, il propose du bon matériel. Hein. Quelque chose de superbe. Et du mythique. Hein. Le mythique, je pense que c'est le plus haut, hein, il me semble. Hein, je suis pas... J'ai pas l'occasion de découvrir au-dessus du mythique. Alors, qu'est-ce qu'il me propose de beau? Mais j'ai pas assez, j'ai que 71 opales. Là, il m'en faut 120, donc on est très loin de faire des achats. Là, c'est quoi ça? Le poulpe de Valkyrie. Une cinquantaine, donc ça, c'est pour mon bateau.
Ouais, c'est déjà pas mal, 35 heures de jeu. Ah, bah, attention, après, je joue entre deux, en dehors de Twitch, parce qu'il y a des petites quêtes, il y a des choses qui sont pas trop intéressantes à faire voir sur Twitch. Voilà, y a, de toute façon, il faut beaucoup farmer hein, pour pouvoir monter en XP et puis pour pouvoir aller se déplacer sur des campements, etc. Donc, c'est pas. C'est ce genre de jeu-là, hein, voilà. Alors moi j'ai dû faire moins mais j'ai pas avancé. Ouais après chacun son rythme hein, et encore franchement je traîne la patte. Hein. Je mais vraiment peut-être que je suis à 35 heures mais j'ai peut-être pas vraiment bien avancé sur la quête principale. Hein. C'est peut-être aussi. Hein. Voilà voilà c'est surtout ça. Ça fait plaisir de voir un peu de monde ce matin. Voilà je vous passe une info. Voilà si vous pouvez vraiment ça serait vraiment je serais très heureux de pouvoir voilà, de voir que c'est partagé à fond, je vais partir sur un événement qui me porte à cœur, voilà. Ah, c'est un événement qui va avoir lieu à la fin du mois, du 30 novembre au 6 décembre, là. C'est Cœur de Gamer qui organise un événement pour l'association, je vais regarder, Make-A-Wish France. Hein, donc Make-A-Wish France, ce sont une association qui permet de réaliser des vœux pour les enfants malades, voilà. Donc c'est un live caritatif. Voilà, alors si vous pouvez vraiment passer l'info sur vos réseaux sociaux, sur Twitter, etc., au moment de cet événement, bah, ça serait vraiment génial. Donc je vais en parler souvent, dès qu'il y a des personnes qui arriveront sur le chat, que j'ai pas eu l'occasion d'en parler, voilà, je vais vraiment vous en parler. Il va y avoir plus de 60 streamers pour le Bifor. Hein, pour le Bifor, il y aura également des streamers assez connus pour le CDG3. Voilà. Il y a également un gros événement qui est prévu aussi, un spécial Destiny 2 sur la chaîne Cœur de Gamer 2. Voilà, il y aura des giveaways, enfin il y aura plein de choses à gagner. Voilà, donc restez à l'affût des infos de Twitter. Moi je vais énormément passer toutes ces infos sur Twitter. Pour ceux qui ont mon Twitter, vous allez recevoir énormément de tweets de la part de cet événement. Voilà. Ah bah c'est gentil, Alvaranox. Merci beaucoup, c'est sympa. Voilà, surtout de passer bien l'info sur Discord. Car c'est un événement qui me tient à cœur. C'est une première pour moi. C'est la première fois que je vais streamer en tant que. Pourtant, je ne suis pas une grosse chaîne. Ils m'ont retenu et ça, je ne peux que remercier Cœur de Gamer. À ce sujet-là, je ne suis pas un gros streamer, hein. J'ai vraiment une petite communauté. Le fait de m'avoir pris pour cet événement-là, ben, voilà, ça me booste, hein. Voilà, ça me booste à faire quelque chose pour une bonne cause. C'est important. Parce que la maladie, je sais ce que c'est, étant donné moi-même malade. Voilà, c'est pour ça que c'était important. C'est pour ça que j'ai postulé. Hein. Voilà, un petit peu moment publicité, on va dire. Un peu, voilà, c'est important de communiquer, de partager tout ça. Bon. On repart dans le jeu, la poupre de Valkyrie, est-ce que ça vaut le coup de lâcher, je ne sais pas du tout, le reste je vais garder mon argent parce que, non du moins mes opales, c'est plutôt des opales, hein, voilà, j'en ai pas beaucoup, donc on va garder ça, on pourrait voir plutôt plus tard. Rien pour l'instant, voilà. Mais peu importe, mon inventaire change chaque jour. Tu trouveras bientôt ton. Alors, Valranos, est-ce que tu joues également ce jeu ou pas? Je t'ai pas posé la question. Et qu'est-ce que ça change? Est-ce que Observe tu joues à ce la jeu tenue. Regarde mon écharpe. Au fil de tes voyages, tu rencontreras nombre de mes associés vêtus de la même manière. Ce sont mes gens, mes regards. Ils t'aideront à commercer ou à remplir certains contrats. Rends-leur service. Ah, les fameux contrats, ça aussi, c'est pas mal, ça prend du temps des contrats. Je suis vraiment enclin à te remercier moi-même, c'est pour dire. Une offre intéressante. Heureux de ah d'accord, non, je ne joue Maintenant, pas aux AC depuis plusieurs années, d'accord. Je retenterai peut-être l'aventure un jour. Oui, pourquoi Vous pas. Vous allez donc rester quelque temps, j'imagine. Pourquoi pas, tu c'est pas... Pas à nous remercier. C'est un honneur pour nous de nous installer ici. Bonne journée à toi. C'est pas le goût de... C'est un jeu particulier, hein, le fait de farmer, d'aller un point à l'heure, c'est un peu un genre de jeu à monde ouvert, donc c'est pas... Tout le monde n'apprécie pas ce genre de jeu, moi j'adore. J'adore pouvoir avoir une liberté incroyable dans un jeu. Faire comme bon me semble, soit aller pêcher, soit aller chasser, soit aller... voilà, c'est mon type de jeu qui pour l'instant me plaît le plus. Eivor, tu as vu Wallace? Oh, j'ai plein de choses ici. Rendre compte à un rat de vie, remporter les médaillons de l'ordre. Il y a plein de quêtes à faire. Il y en a énormément. Petra, qui a-t-il? Allez, on va lui c'est parler. Mon frère.
Cela fait des heures que Wallace aurait dû rentrer, mais aucune trace de lui. Et cela ne lui ressemble pas. Ça va donner une quête annexe. J'aimerais fouiller les voies à sa recherche. Je suis sur Xbox. Ça ne pas grand-chose. Pour information... Tu veux bien te joindre à moi ? Nous couvririons plus de terrain. Alors j'ai un PC, j'aurais pu le prendre sur PC aussi éventuellement, mais j'ai préféré prendre sur Xbox pour pouvoir tout simplement continuer à avancer, à jouer beaucoup plus longtemps dans mon salon, descendre ma console, mettre dans mon salon, parce que là je suis dans une pièce à part. C'est plus ça, c'est pour ça que j'ai pris ce jeu sur console. Vraiment, parce que je sais qu'il ne sera pas fini en 200 heures celui-là. Je vais faire ça plus tard. J'ai affaire pour l'instant, mais je reviendrai te voir. Dès que tu le pourras. Merci. Allez, c'est parti, rendre compte sur les grandes, rendre compte à Ranvi. Je suis pas bien réveillé, je vous le dis, le réveil a été mauvais. Je suis encore un petit peu tête en l'air. Un peu perdu dès le départ, pourtant bien que je connais le jeu. Avant tout, avant de se perdre dans ce campement, on va aller voir un petit peu dans les points de compétences. Alors les points, ces fameux points de compétences, j'ai une puissance de 54, c'est pas génial, après 35 heures de jeu. Voilà, je sais pas si on pourrait avoir mieux, je ne sais pas. Le fameux l'arbre de compétences, j'y vais au feeling. Ça a complètement changé par rapport à Odyssey et Origine. J'y vais un petit peu comme ça au hasard. Il y a des petits trucs bien sympas, vous voyez, la flèche d'idées, pour l'instant je l'utilise pas vraiment. Il y a également ça ici, la frappe dans le dos, qui est pas trop mal aussi. Je vais pas trop vous faire voir, pas trop spoiler quand même. Je sais pas si on peut appeler ça du spoil. Assassinat enchaîné. Voilà, ça c'est par contre c'est super bien. Alors quand tu fais un assassinat de la façon la plus discrète, aussitôt il y a une attaque qui se fait avec une hache et tu vises un autre ennemi. Ouais, et ça c'est vraiment top. Vous voyez, hop, voilà, après assassiner, il y a une deuxième attaque qui se fait avec une hache. Et c'est vraiment, je trouve ça super bien. J'adore ce genre de possibilités. Voilà. Alors, attendez. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Qu'est-ce que j'avais vu qui était plutôt pas mal? Ah ouais, le combo à l'arc légère. Dégâts supplémentaires lors de tirs consécutifs. Ça, je vais le prendre, ça, c'est parce que... Le gros souci, j'ai eu beaucoup de difficultés à viser avec mon arc. Et vraiment, il y a des points à viser sur les ennemis que j'arrive pas du tout. Allez, on prend ça. On va prendre ceci. On va essayer de... Attendez, soit prendre ça, il y en a encore un point à utiliser. C'est quoi ça? Est-ce que c'est pris ça? Alors, plus 3 d'accumulation incendiaire et de dégâts incendiaires. J'ai pas de... Ouais, ok, ça peut être pas mal. Est-ce qu'on peut... Alors oui, il va falloir faire comme ça. Ouais, donc il va falloir passer ici pour obtenir ce pouvoir-là. C'est pas grave, on va prendre ça. Voilà, donc j'ai des petits bonus d'équipement aligné sur l'ours. Allez, c'est parti. Je vous cache pas, peut-être que je fais des erreurs. Hein. Peut-être qu'il est mal... mon arbre de compétence est peut-être mal configuré, mal choisi, je sais pas du tout. Mais vraiment, je sais pas, j'y vais au feeling, voilà, il n'y a pas besoin de... Je me prends pas la tête, hein, voilà. Je me prends pas la tête. Ah oui, j'avais récupéré ce rune-là. Rune d'Égypte mineure. Plus 1-4 résistante à l'élite. Ok. Bon. On va choisir une quête, tout simplement. Ouais, ça c'est la quête qui était prévue. Il n'y a pas de souci. Et l'inventaire. Alors, on va voir un peu ce que je peux mettre comme rune. Allez, ça tout de suite. Est-ce que... Je peux changer éventuellement quelque chose sur cette hache. Rune de légère mineure. Ouais, donc là, je suis beaucoup plus légère avec ça, apparemment. Comment j'ai fait pour avoir tous ces runes? J'ai énormément pillé, en fait. J'ai fait pas mal de campements où j'ai attaqué beaucoup de camps en fait. C'est un peu comme ça, je les ai récupérés. Et puis après, tu récupères des runes également sur certaines missions secondaires. Voilà, Jérémy. J'espère que je dis pas d'erreur. Excusez-moi, ma mémoire n'est pas tout le temps bonne. Il y a des moments, je fais des actions dans un jeu, 10 minutes après, je vais l'oublier. Mais pour moi, c'est comme ça que j'ai pu récupérer mes runes.
Voilà, j'ai fait quand même pas mal d'attaques de camp, etc. Je me suis un petit peu éloigné de la mission principale, des quêtes secondaires. Je vais te faire voir vite fait ma carte, tu vois, j'ai pas trop mal bourlingué, hein, malgré tout, vous voyez, il y a pas mal de... je prends principe également que quand je vois quelque chose, vous voyez, quand il y a une richesse quelque part où je suis pas très loin, bah, je vais la chercher, voilà. Après, je fais quelques points, je synchronise mes lieux également. C'est un peu comme ça que j'ai récupéré mes runes, hein. Voilà, c'est un peu comme ça que je les ai récupérées. Vous voyez, au niveau de ma map, il y a énormément de choses à récupérer, c'est un truc de fou, hein. Voilà, je vous dis, c'est pour ça que le jeu lui-même, il va durer une éternité, hein. Voilà. Puis bon, voilà, moi j'aime bien parler également sur Twitch, bien communiquer avec vous. Vous voyez, pour l'instant, j'ai vraiment pas avancé, hein. Voilà, je suis tout le temps comme ça, je suis un grand bavard, où il y a des jours je parle très peu, mais là en ce moment... je suis tellement à fond dans le jeu que voilà. Ouais, mais non, mais il n'y a pas de souci, Jérémy. J'espère que je t'ai bien répondu, que c'est exactement la bonne réponse. Parce que je vous dis, j'oublie très vite, malheureusement. Ça, c'est pas du tout de ma faute. Voilà, oui, après, il y a plein de choses comme. Voilà, il y a des. Ça, c'est parce que je sais plus ce que c'est, ça. Je m'en souviens plus. Je ne sais plus regarder la légende dont ça sert. Ce sont des événements, hein, du monde ouvert, vous, hein, voyez. Alors, là, c'est pareil, il y a pas mal de trucs à... Voilà, c'est la folie, ce jeu. Il y a tellement de choses à faire que c'est la folie. Voilà. Alors, attendez, on va aller voir un peu si je peux améliorer. Avant d'aller parler à un Randvid, est-ce que je peux améliorer mon campement ou pas, là? Non, il est là, lui, Randvid. Est-ce que c'est possible ou pas? Non, pour l'instant, je peux pas. Je suis un peu perdu pour le campement. Je suis pas très très fort quand il est question de gérer un campement. Je suis un peu, j'oublie un peu certaines choses. Vous voyez, là, il me manque des éléments pour la boulangerie. Il me manque, je sais pas ce que c'est. Ça doit être du bois ou des ressources. Voilà. C'est ça qui me manque. Il me manque des ressources. Alors, ce sont des tonneaux avec des caisses. Donc, pour l'instant, je peux pas améliorer quoi que ce soit pour la vie de mon campement. Bon, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Allez, c'est parti. On va voir Randby. Voilà. Randby. Allez, c'est parti. Vous me dites si le live passe bien. J'ai eu des gros soucis hier avec Twitch. Je sais pas. J'ai eu un arrêt total du live d'un seul coup comme ça. Je sais pas si ça vient de mon PC qui est plus tout à fait récent. Commence à en fatiguer aussi, un peu comme moi, voilà. Et s'il y a des gros soucis en ce moment avec Twitch, voilà, mais complètement déconnecté, puis plus moyen de relancer le live. Attendez, par où il faut passer? Vas-y, par où? Et il est où ce Randby? Ouais, après, je me perds facilement aussi, hein. Voilà. Passer. Bah, par la porte, mais la porte, elle est pas là, forcément. Donc je pense qu'il va falloir faire le tour. Allez, c'est parti. Non, c'est pas là. Alors, attendez. Ici, voilà, par ici. Est-ce que c'est ici ou pas? Ouais, voilà, là, rapporter le médaillon de l'ordre. C'est quoi ça? À qui je dois rapporter ça? Apparemment, il y a une quête à proximité. Alors, attendez. Attendez. Non, je vais voir Randby. Je vais aller voir Randby, rendre compte. Ça doit être ça. Voilà, on va aller voir Randby. Ah ouais, non, mais il y a plein de... Vous voyez, plein de choses à faire. Allez, c'est parti. Moi, j'ai l'impression d'avoir... Ah, je prends feu, non? Ah, je pensais que je prenais feu. Je fais pas attention où je marche. Je dois partir. Ah bah, c'est déjà bien sympa, Jérémy. Il n'y a pas de souci. C'est sympa d'avoir participé un petit peu ce matin. Moi, je me suis pas senti trop seul dès le début du live. Merci beaucoup, merci Jérémy. Voilà, passe un bon week-end, surtout profite bien de ton week-end. Soyez prudent, prenez soin de vous, c'est important parce qu'en ce moment c'est pas trop top. Et puis, on se dit à bientôt, Jérémy, et au plaisir. Merci à toi d'être passé. La nouvelle de la prospérité de notre colonie s'est répandue. À bientôt, Jérémy. Merci. Tu risques bon de week-end. Voir de nouveaux visages. Nous sommes alliés aux Danois du Grand Breacher. Leur Jarlskon Assoma a prêté serment. Bien joué, Eivor. Ces premières réussites vont nous être bénéfiques. Tout ne s'est pas déroulé comme... Alors j'ai pris une femme. Au début, j'avais pris un mec. Nous avons leur serment, mais pas leur admiration. C'est dommage. Dans le choix de mon personnage, je parle. J'avais pris
un vrai viking. Mais j'ai eu du mal à m'habituer avec lui. Eh ben voilà, j'ai de la matière ici, c'est nickel. Eivor, un point important. C'est super, quelqu'un je vais pouvoir améliorer mon campement. Un marchand, je crois. Je l'ai rencontré, Reda. Un jeune homme étrange, mais assez charmant. Il sera de bonne compagnie, je crois. J'ai hâte de mieux le connaître. Wow, c'est génial, ça. Regardez toute la matière que je viens de récupérer. Ça, c'est vraiment top, ça. Je vais pouvoir enfin améliorer mon campement. Alors, de temps en temps, je coupe la cam quand il y a une petite cinématique. Bon, apparemment, là, c'est une cinématique assez courte. On remet la cam. Voilà, hop. On va mettre ma grosse tête. Alors, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, attendez. Ah, on va lui parler, alors, attendez. Montre-moi la carte des alliances. Ah, voilà. J'aimerais voir la carte des alliances. Alors, cette fameuse carte des alliances, qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça apporte de plus? Alors, ici, on demande une puissance de 80. Par contre, j'entends un souffle dans mon casque. Alors, est-ce que c'est dans le jeu? Parle-moi du Leicestershire. J'aimerais bientôt regardez rejoindre ça, tiens. Sigurd. Il s'est rendu dans un bourg de Repton afin de rencontrer Ubbe et Ivar Ragnarsson. D'après ce que je sais, ils sont sur le point d'exiler l'actuel roi de Mercy, dans l'espoir d'y installer un roi bien à eux. Une entreprise audacieuse. Je devrais aller les y aider. Je crois aussi, oui. Eh ben, on va y aller. Je pense que ça peut être bien. Je vais aller... Bah, voilà. Super, pourquoi pas. Voilà, territoire convoité. Je ne vais pas les faire attendre. L'animation bien, est pas mal, je trouve. Je vais avertir Sigurd et les Ragnarsson que l'animation est super pas mal à quand tu place, vas sélectionner une quête. Repton se trouve assez loin. Quand t'as une nouvelle quête qui va arriver. Alors, trouver... Oh, il y a des bugs d'affichage. Alors, le jeu, il y a des bugs. Hein. C'est du Ubisoft, malheureusement. Il y a beaucoup de soucis, quelquefois, au niveau des textures, etc. Des petits ralentissements. Il y a des moments, il y a des arrêts complets du jeu. Mais bon, j'espère qu'ils vont bientôt me faire une petite mise à jour. Voilà, trouver Sigurd et lui parler. Sigurd est allé au nord-ouest vers un bourg appelé Repton. Ok, bon bah voilà, on est sur de la quête principale, je pense. Ouais, c'est ça, on est sur de la quête principale. Là, c'est tout ce qui est au niveau. De la quête secondaire. Là, on a des codex. Mener à bien 10 contrats. Et parler de Valas à Petra. Tiens, je vais faire ça peut-être. Avant de partir, trouver Sigurd, tout simplement. On va aller voir ça. Et je vais aller voir avant tout si je peux pas améliorer mon camp, bien sûr. Parce que elle m'a donné des ressources. Alors, pour ceux qui seraient éventuellement sur le live, qui ont eu l'occasion de bien avancer dans le jeu, si vous pouvez m'apporter des conseils, bah, n'hésitez pas, surtout. N'hésitez pas. C'est quoi, ça? Ah, je suis sur le trône. Ok, superbe. Alors, ensuite, cet univers viking, j'adore. Je suis un grand passionné de séries et de ciné. Donc, je suis un grand fan de la série viking. Je kiffe cette série-là. Voilà, c'est fait partie de mes séries préférées. Voilà, c'est surtout ça et j'aime bien ça aussi l'univers des Vikings. Un univers vraiment à part, très violent bien sûr, forcément. C'est pas des enfants de cœur là-dedans. Alors attendez, je vais de nouveau voir un peu ce que je pourrais améliorer. Je sais qu'il y avait ma boulangerie. Non, c'est pas... Ah, ici, alors ça, on est sur quoi, là? Là, on est sur le musée. Alors, collection de trésors antiques. Si vous lui rapportez des objets romains, il vous récompensera. Donc ça, c'est pour un musée. Est-ce que pour l'instant, c'est indispensable? Je n'en sais rien. Là, on est sur le musée. Alors, attendez. Il y a trop de choses à faire en jeu, je suis perdu! Voilà, je suis complètement perdu. Ah, ça, c'est quoi, ça? Alors, ce sont les tatouages. Ça m'intéresse pas vraiment, pour l'instant. Je pense que je vais peut-être prendre plus pour le bateau. Soit je prends le bateau. Là, on peut pêcher également.
cabane de pêche. Et là, ça, c'est la boulangerie. Alors, c'est... Alors, attendez, je suis pas dessus. Augmentation du buff festif. Ouais, bah après, c'est vrai, il faut les nourrir, tout ça. Hein. Faut nourrir les vikings. Voilà, c'est des bons vivants. Ils carburent à l'hydromel, d'ailleurs. Dans ce jeu, la boisson préférée... c'est pas le café, c'est l'hydromel. Voilà. Alors, attendez. L'écurie, bon, c'est pas la peine. Non, mais je pense que je vais aller améliorer mon bateau. Voilà, c'est peut-être pas la priorité, je sais pas encore. Je sais pas. La brasserie. La boulangerie. Ouais, je vais faire le truc du bateau qui est là-bas. Et là, c'était quoi déjà? Je sais plus. Vous comprenez pourquoi je suis à 35 heures et peut-être j'ai pas avancé des masses et des masses. Hein. Ah oui, le tatouage. Bon. Allez, le bateau, il est là-bas. Voilà, j'ai mis un marqueur. J'espère que je vais pas me mélanger dans tout ça. Alors, le marqueur, il est là-bas. Voilà, on y va, les amis. Ah ouais, de temps en temps aussi, on peut se défouler, vous voyez. Ça fait monter un peu l'XP. On se défoule sur des marionnettes. Enfin, des marionnettes, c'est plus des gens d'épouvantail. Là, voilà, je vais améliorer mon truc de bateau. Allez. Un bon guerrier a besoin d'un bon bateau. Un bon viking, on va dire. Ah, voilà, c'est ça. Chantier naval, allez, c'est parti. Voilà, un petit chantier naval. Ah, puis cette musique. J'adore cette musique, c'est une musique à la viking, j'adore ça. Ah, j'espère qu'il passe bien le live. N'hésitez pas à me dire si vous avez des soucis avec le live. J'ai pas regardé par contre. Une erreur que je viens de voilà, c'est bon. C'est bon, on peut choisir la qualité du live parce que j'envoie du lourd quand même. Parfait, Yvonne. Tu es vraiment très généreuse. Une arrivée. Je me demande si Valka est parmi eux. Voilà, j'envoie du lourd au niveau de Twitch. Donc si on peut pas sélectionner la qualité du live pour les personnes qui ont une petite connexion, c'est pas marrant quoi. Alors, ça c'est fait. Je pense que je peux encore améliorer éventuellement la boulangerie. On va voir ça. Donc ça c'est fait, ça il n'y a pas de souci. Voilà, on va aller améliorer. Alors il y a ça, ça y est, c'est pareil. Là on est bon. Soit la boulangerie. Là on est sur... La cabane de chasse, ça c'est fait. Ouais, je m'en souviens. Bon, on va aller faire la brasserie, tiens. Allez, voilà. Je pense qu'un viking préfère plutôt se nourrir d'hydromel que de pain, à mon avis. Voilà. Parce que la chasse s'est ouverte, donc ils ont dû un genre de gibier, je pense. Alors, attendez. Hop. Interagir. Ok. C'est parti. Ah si, je suis content là parce que j'arrive à vraiment avancer dans mon campement. À le faire évoluer. Pas mal cette animation. Alors les fêtes sont plus animées lorsque la colonie grandit pour profiter d'un buff. Bon, j'ai pas le temps de lire. Voilà, je suis trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Allez, on va faire un petit tour là-dedans pour voir ce qu'il y a de beau. Ah, on a des recettes ici. Ok. On sait donc, faut prendre du blé, etc. Petite recette à la viking. Ajoute au bouillon refaire de vigne, un bouquet de lavande. Qu'est-ce que c'est de cette mixture? Ouais, ok. Je serais pas prêt de goûter à ça, moi. Ok, donc là, on n'est pas trop mal. Donc, deux constructions d'établis dans le campement, c'est bien. Surtout que j'avais eu du mal à le faire évoluer. Donc voilà, on est bon. Alors ici, on est sur quoi? Éléments décoratifs, d'accord, ça c'est fait.
Il y a une quête à proximité. Alors attendez, c'est quoi? Apporter le médaillon de l'ordre à Itan. Bon, on va aller voir ça. S'il est pas très loin, le petit. Il est où? Oh, il est juste là en plus. Ah bah voilà. Donc après, je vais voir pour améliorer peut-être la boulangerie. Ok. Quoi ça? C'est quoi ça? Alors, attendez, je vais voir un peu. Rapporter les médaillons de l'ordre. Ça sert à quoi ça? C'est ici que je dois ramener ou pas? Pas de compris. Est-ce que c'est ici ou pas? Ivor. J'ai reçu quelques articles qui étaient comme un gant. Alors, on va regarder si ça va me... Qu'as-tu à me proposer aujourd'hui? Comme un gant. Oh, comment ça va? Des trucs intéressants. Pas beaucoup d'argent quand même, mais c'est un peu limitant. C'est être venimeux et reste meurtrier. Arc de vipère. Ouh, c'est intéressant ça. Ceci te tente? Rune de venin mineur. Ah, d'accord, on mettrait une rune de venin mineur. Ça coûte cher tout ça, hein. Là, oui, c'est pas donné. Alors, c'est pour la vitesse, là c'est pour l'armure. Déjà ça, je vais l'acheter. Hop, ça on achète. Un choix avisé, Eivor. Voilà, déjà on va vendre. Avant tout, on va vendre, bien sûr. Avant de commencer à acheter. Alors, on vend tous les babioles. J'ai hâte de trouver acheteur pour ceci. Voilà, voilà. Rune de légère mineure. Là, c'est pour le poing, l'attaque. Ouais, non, on n'a pas de double. Tu sais que ceci te sera utile. Alors, lingot permettant de porter la qualité d'un équipement de bonne supérieure. C'est intéressant, ça, le lingot permettant de porter la qualité d'un équipement. Ok. Non, je vais fabriquer dans les meilleurs matériaux. Je vais peut-être changer mon arc. Mais je ne sais pas si c'est un équipement... Alors, bouclier très triste, fabriqué par la garde royale. 500 ici. Bien équipement, ce bouclier peut sauver la vie. Il est correctement manié. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? J'hésite encore. Ce genre de chose est fait pour les vrais combattants. J'hésite. Je ne sais pas quoi prendre en fait. Est-ce qu'il y a un intérêt à l'acheter dans l'immédiat ou attendre encore un peu? Tu devrais acheter ceci. Je vais prendre ça, peut-être les lingots, là, pour moi. Ceci te rendra bien des services. Lingot de... Allons en prendre deux, on verra. Un peu de folie, les rations. C'est mort, ici on est sur du tissu, on va voir. Les flèches, ben ça on en trouve, hein. Il n'y a pas besoin peut-être d'en acheter. Tu devrais acheter ceci. Par contre, ça, je sais pas. Je sais pas, avec la couleur, je sais pas si c'est du mythique ou autre. Je m'en souviens plus. Je vais pas faire de folie parce que c'est quand même 500. Ça fait un peu chéro. Bien, j'ai de l'argent. Mais bon. Comment elle s'appelle cette monnaie d'ailleurs? Ouais, c'est de l'argent, simplement. Rien d'autre? C'est de l'argent. Voilà, on va aller voir d'ailleurs pour aller m'améliorer. Je pars. Porte-toi bien. Peut-être ma boulangerie. Voilà. Ça, je l'ai lu. Alors, attendez, je vais essayer. Ça, c'est mon truc de bateau. Ça a été fait. Alors, je vais retirer le marqueur. J'ai mis un marqueur pour améliorer mon bateau. Oula, ici, j'ai plein de trucs à faire, là. C'est fou. Pas vu, ça.
Non, je me trompe, attendez. Va, Sinine. Alors, perdu de chez perdu. C'est quoi ça? C'est le bureau. Bureau de ceux qu'on ne voit pas. Ouais, j'ai du mal à le dire. Ah là, j'ai plus assez de ressources. Eh, j'ai pas pensé à améliorer ma cartographie, ça c'est un peu dommage. Ah ouais. J'aurais peut-être dû faire autrement, peut-être. Non, j'ai plus assez de ressources, malheureusement. C'est un peu dommage, tiens. Donc, je vais pas pouvoir améliorer ma boulangerie, apparemment. Non, c'est mort. C'est cuit. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, on fera ça une autre prochaine fois. On va aller voir... On va rapporter un médaillon. Et allez, un petit coup là derrière. Allez, boum. On fait pareil pour lui. On fait pareil pour elle. Non, je rigole. Voilà. Regardez-y, le live passe bien quand même. Parce que j'ai fait les réglages. Au niveau de ma carte d'acquisition, je voudrais regarder s'il n'est pas trop sombre. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Prends ceci. Cela servira davantage ta cause entre tes mains. Pas l'air trop sombre, malgré tout. Un autre de moins. Le monde s'en portera mieux. En témoignage de ma profonde gratitude, je tiens à te remettre ceci. Waouh, comme toxique. Et cette contrée sera bien ça. De ces monstres. Ça, c'est pas mal, je trouve. Allez, c'est bon. Quelques petits médaillons qui donnent... Je dois partir. Un truc alors, en plus. En pouvoir, je pense. Arbre de compétences, je sais plus. Tuer et... Trouver et tuer les membres de l'ordre. Bon, ça, je le savais. Pour trouver, si vous aussi veut utiliser le menu de l'ordre des anciens. Ouais, non, ça, c'est ça. Ah, pas de souci, les membres de l'ordre, j'en ai déjà dû tuer deux ou trois, je pense. J'ai pas vraiment trop galéré à les tuer, d'ailleurs. J'ai trouvé ça assez simple. Pourquoi, je sais pas. Après, la difficulté a été mise, comment dire, en par défaut. Voilà, j'ai tout simplement mis tout ça par défaut. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré de beau? Alors là, on a une frappe toxique. Enduit votre arme d'un coup. Ah, la frappe toxique, c'est pas mal parce que ça affaiblit énormément les ennemis. Les ennemis empoisonnés subissent des dégâts prolongés en plus. D'accord. Et là, on a... De la poudre incendiaire. Non, j'aime pas trop ça. Je suis plus du corps à corps, moi. L'arc... l'excitation, la flèche d'un petit sachet dispersant une poudre volatile à l'impact. Tout déplacement à proximité enflamme la poudre. Surprenez les passants inconscients du danger. Oh, puis je vais me retrouver à tuer des civils. Et ça, c'est quoi? C'est la frappe toxique avec la flèche. Ouais. Alors, il faut que je fasse un choix d'ailleurs. Ouais, je vais prendre quoi du coup? Je vais prendre ça. À la place de quoi? Alors là, je n'en sais rien. Ouais, je vais le mettre à la place de ça. Ça c'était ouais je viens de retirer protégez-vous dans les airs et atterrissez sur vos ennemis. Bon, généralement c'est rare que je travaille en hauteur, on va dire. C'est pas un truc que j'utilisais. Et là on est sur quoi là? Peut-être pas non, je peux pas le mettre. Enduit, substance toxique. Moi, ouais, ça pourrait être pas mal aussi, ça. Regardez. Il y a un truc qui était plutôt pas mal que... De toute façon, il faut pas que je retire. Alors, attendez, je suis perdu.
Je suis perdu. Voilà. Ça c'était quoi? Ah ouais, les flèches à la volée. Ouais, non. Pas le temps, c'est pas le truc que j'utilise beaucoup, ça, les flèches à la volée. Donc là, on va partir sur du toxique. C'est bien mieux comme ça, voilà. Alors, on avait d'ailleurs acheté une rune. Ah voilà, vous voyez, je suis sur du mythique au niveau de mon arc. Et si j'achetais tout à l'heure une arc, c'est une arc de supérieur. Donc le mythique est bien mieux, je pense. Je pense, attention. Hein, je n'ai pas trop d'idées. Non, je peux pas mettre de runes. Ben non plus. Alors... Rune. Attendez. Résistance au corps à corps bouclier. Ah. Ah ah. Alors attendez, si je mets ça là-dessus, moi. Pour le... Ah moi je peux pas. Je peux pas, excusez-moi. Petit souci avec la gorge. Ah bon non, on peut pas. Dommage. Je galère à gérer cet inventaire comme dans chaque jeu. Hein. Je mets un temps fou à régler. Ah, je vais arriver à le dire, excusez-moi. Je mets un temps fou à gérer mon inventaire comme dans chaque jeu. Hein. Voilà. Et pas évident. Santé, dégâts discrets, évitement. Alors. Là, j'ai une résistance. Plus 1% de corps à corps. Je vais peut-être prendre ça à la place. Ouais, je sais pas si c'est le bon choix. Et là, je vais mettre ça, rune de vie, à la place de ça. Je vais mettre la rune de vie qui, j'ai vu 11% ici. 14% là. Ah, c'est déjà mis sur le casque. Ah, d'accord. Ok. Ah. Ah, bah on va mettre ça. Voilà. C'est pas mal, je pense là. Allez, on va avancer un petit peu là. C'est ça qui me manque beaucoup. C'est la matière première que je ne trouve pas. Allez, on est bon. On est bon, on est bon. Bon, ici, ça c'est quoi? Dis-moi, quel est ton métier? J'ai parcouru cette belle contrée et y ai découvert toutes sortes de secrets et des lieux intéressants. Contre rémunération, tu pourras profiter de mes cartes. Si tu veux accéder à mes cartes, il va me falloir un atelier. Alors je te serai reconnaissant si tu m'en bâtis un. Mon micro marche encore, entendez. Est-ce que mon micro marche encore? Mon micro marche encore, entendez. Non, mais mon stream deck, il fait n'importe quoi. Il me dit que mon micro est coupé. Des soucis avec le stream deck en ce moment aussi. Je sais pas, putain, ils ont filmé un jour. Il y a des choses qui ne marchent pas. J'ai pas compris qu'est-ce que tu m'as dit. Que fais-tu ici déjà? J'ai parcouru ici cette belle contrée et y ai découvert toutes sortes de secrets et des lieux intéressants. Contre rémunération, tu pourras profiter de mes cartes. Si tu veux accéder à mes cartes, il va me falloir. Ça, c'est bien ça. Alors, je te. Ouais, l'atelier, je sais, il est pas. J'aurais dû fabriquer ça avant, vous voyez. Avant de fabriquer la boulangerie, la brasserie. À bientôt. J'aurais dû. Bonne exploration. J'aurais dû faire ça dans ce truc-là avant, bien avant de faire, comment dire, tout simplement la brasserie. On va aller voir d'ailleurs, on va faire un petit tour dans cette brasserie. Puis après, il va falloir que je me bouge un peu là pour continuer mes missions. Parce que là, j'avance pas vraiment.
Oh, puis le matin, je suis pas bien réveillé. Hein. Il faut un certain temps pour que je puisse immerger de ma nuit. Me remettre de ma nuit, on va dire. Trouver Isidure et lui parler. Nuire, ça c'est quoi trouver? Non, ça c'est pas ça que je veux faire. Trouver toutes les codex, ça c'est pas maintenant. Mener les contrats. Parler. Ah ouais, je pense que c'est ça que je veux faire. Voilà. Et rencontrer les nouveaux arrivants sur le quai. On va faire ces deux missions-là. C'est pas très loin, c'est sur le campement, donc on y va. On y va. C'est juste là-bas. Allez, c'est parti. Parlez. Toujours aucun signe de Wallace. Tu peux m'aider à le chercher? Wallace, pourquoi je vais aller chercher? Il faut partir tout de suite. Par où commence-t-on? Près de Peterborough. C'est là qu'il achète ses liquides de tannage. Ouais. Je sais qu'il campe parfois à une croisée annexe, hein. De chemin entre ici et là-bas. Alors, trouvez où était Wallace en dernier. Wallace a suivi les routes de l'intérieur des terres en rentrant de l'abbaye. De ce que je vais pas prononcer. Et je vais aller faire cette mission-là avant. Avant. Alors, attendez. Ici, on va aller accueillir les nouveaux arrivants sur le quai. Allez. La mission avec Wallace, on verra plus tard. Je suis juste à côté, ça aurait été dommage de pas aller les voir. De pas faire ça. Oh purée, je regarde le chat et puis je fonce de... Oui, pas. Eivor, quel plaisir de te voir. Oui, bonjour madame. Bon sang. J'ai l'impression que tellement de temps a passé. Valka, mon ami. Tu es la bienvenue ici. Comment vas-tu? Très bien. Je suis là. Et ta mère? Quoi? Ma mère a trouvé la paix. Enfin. Elle marche dans un monde qu'on ne voit qu'en rêve. Et ce, pour l'éternité. C'est ce que nous espérons tous. En effet. Bien. Pas mal son tatouage. Et ta traversée? Elle a été exaltante. Les vagues et le vent nous ont aidés dès le départ. Nous avons volé comme des mouettes. Et toi, comment vas-tu? Au-delà de ton apparence austère, je vois dans tes yeux une lueur qui me fait chaud au cœur. C'est peut-être là une forme d'espoir. La colonie grandit, les gens sont heureux, et je me surprends à rêver de gloire. Et tes visions? Elles vont et elles viennent. Mais oublions cela pour l'instant. Laisse-moi t'aider avec tes affaires. Quel accueil! Par ici. Allez, on va prendre ses bagages. Au pied de la colline. Allez, c'est parti. Pendant tout mon voyage, j'ai essayé de m'imaginer à quoi ressemblerait cet endroit. Et tu as vu juste? J'ai vu les arbres. Ah, puis il y a un scénario dans ce jeu. Il y a une histoire à suivre. C'est une couleur magnifique, apaisante. Un soulagement pour des yeux baignés de sel. Valka! Par les dieux, qu'est-ce qui t'amène? J'espère que ce n'est pas une malédiction sur la colonie. Ah, la seule malédiction de cet endroit, c'est son grand ego de forgeron. Rare est le sentiment de traverser la mer et de se sentir chez soi. Cet endroit dégage un pouvoir, de la vie. Pressens-tu de grandes choses pour nous? Je n'ai pas besoin de les pressentir. Elles sont dans mon cœur. Valka, c'est bien toi. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? Je voulais m'assurer que cet endroit serait à la hauteur. Ouais. Et que je serai installée, il faudra que nous parlions, Ranby. Et avant que mes bras ne tombent par terre, qu'est-ce que je porte là? Mes réactifs les plus lourds, quelle question. Je sais pas ce qu'il y a dans ces caisses, mais ça paraît lourd. Hein. Des paillettes d'or. Oui, des paillettes d'or. Voilà ce qu'on veut voir. Qu'est-ce que tu vas faire de beau avec ça, avec des paillettes d'or? Cette vie que tu as bâtie sur ce rivage étranger. Ouais. Cela te plaît? Oui, c'est un bonheur de savoir que j'ai bâti cet endroit et assuré la sécurité de ces hommes. Tu parles d'abord de toi en répondant à ma question. Ce qui en dit plus long que tu ne le penses. Est-ce que Wizwood fonctionne? Ouais, si, ça a l'air de l'air.
Avant, je recontrôle un peu Wisboot avant l'événement. Et qui est cet homme? Je n'en ai aucune idée. Eh bien, ça ne manque pas d'animation ici. Regarde là-bas. Ta maison est droit devant. Bah, figue-moi, elle est beau quand même. Hein. On est que sur une console. Elles sont toujours les mêmes. Sur la One X. Rien n'a changé, mis à part leur clarté. Je le trouve vraiment joli. Les choses que je vois ressemblent moins à des rêves et plus à des souvenirs. Et le père de toutes choses t'apparaît-il toujours? De temps à autre, oui. Il s'adresse à moi aussi, mais cela paraît fou quand j'en parle à voix haute. Je comprends. Tu peux poser ça là. Merci. Allez, on pose ça là, il n'y a pas de souci. Comment on fait déjà? Ah ouais, c'est Y. Ça va, je m'en souviens. Allez, on est bon, aidez. Je vais de nouveau ramener encore des... Attendez, je n'ai pas dû le mettre au bon endroit. Je pense qu'il faut le mettre là-bas, hein, d'accord, c'est exigeant ça. Voilà. Nickel. Nous y voilà. C'est beau. Aussi beau que tu l'avais dit. Dès que je me serai installé, nous pourrons nous repencher sur l'objet de tes visions. Valka, J'essaie de pas trop coller au micro pour pas que ça sature. Tu es une sorte de messagère des dieux. S'il te plaît, laisse-moi t'aider. Je connais peut-être un moyen de clarifier tes visions. Un élixir qui pourrait ouvrir la porte de la... Un élixir ? Si tu penses que ce serait cool. Je peux terminer ta maison moi-même. Il me faut simplement du temps. Je t'en serai reconnaissante. Merci, Eivor. De rien. Elle est jolie, cette femme. Et bienvenue chez toi. Très jolie. Alors, un ami avisé, donc voilà... Alors, c'est pas fini, on a encore des trucs à faire ici. Alors voilà, ici, interagir. Ah, dommage. Je ne peux pas améliorer la cabane de Volva. Alors, Valka, la Volva peut vous aider à éveiller vos sens et vous plonger dans d'étranges visions. Oh, ça doit être top, ça. Ouais, comme dans Viking, dans la série Viking, il y a un moment, ils avaient des visions avec les esprits, avec le Valhalla. Oui. Oh, ça saccade un peu, là. Ouais. Bon, ça c'est mort. Je peux pas bâtir, j'ai pas de ressources suffisantes. Donc ça, bon, on va le décocher tout de suite. Voilà, ici. Trouver où était... voilà, ça va faire ça. C'est de la munition annexe. Les contrats, on verra plus tard. Trouver toutes les pages de codex. Trouver et tuer les membres de l'ordre. Ça, on en a fait, il y a pas de souci. Ah, atteindre le niveau 4 de la colonie. Bon, là, on est encore loin. Ça, c'est la mission principale. Voilà. Voilà un petit peu tout ce que j'ai déjà pu éliminer pour les membres de l'ordre. Est-ce qu'il faut les... Attendez. Faire un peu le tour parce qu'il y a un petit point d'exclamation. Ouais... Ok, bon, c'est pas mal. Pas trop mal avancé ce matin sur... du moins sur mon campement, j'ai déjà amélioré deux choses. Pour les navires et la brasserie. Voilà. Nouveau foyer, c'est pas ça. Oh, je viens de le passer. Ah, la mémoire est vraiment défectueuse. Trouver. Voilà, c'est ça. Voilà, je change tout ça, moi. Enfin, bien de pouvoir faire ça. Hein. Allez, on y va. 933 mètres, on y va. On va aider. C'est qui ça? Alors, attendez. Non, je veux pas faire ça. Allez, on y va. Parti. Montre-moi. Je suis un peu loin, je trouve, pour utiliser mon... Non. Un petit peu loin. On va prendre ma monture, ça sera peut-être plus simple. Allez-y. Est-ce que... Ouais, mais elle va me suivre ou pas? Allez où?
Ah bah elle est derrière moi. Elle est montée derrière moi. Oh là là là, oh là, je suis mal réveillé moi. Elle était montée derrière moi, j'arrive même pas à reconnaître le dos de mon personnage. Oh, ça va pas, ça va pas, il va falloir que j'arrête le café. Hein. Faut que je ralentisse là-dessus. Ça, c'est bien moi. Allez, c'est parti. Nous pouvons remonter ses traces. Avec de la chance, il n'aura pas fait de folie. Pourquoi? Il est du genre à en faire? Pas du tout. C'est pour cela que son absence m'inquiète. J'arrive même pas à reconnaître le dos. Oui. Un élan blanc t'a mené jusqu'à un nourrisson dans une forêt. Une marque du destin. Ça va, c'est pas très loin. En effet. Comme s'il était transmis d'un gardien à un autre, il nous a été confié à l'image d'un bébé parmi les roseaux. Mais je kiffe ce jeu, ça me fait penser un petit peu quand j'ai commencé à faire Origine et Odyssée. Je faisais que ça. J'avais complètement mis abandonné les jeux avec les autres jeux que j'avais commencé à jouer. J'ai tout arrêté en fait. J'ai démarré Origine, j'ai tout arrêté. Je me suis mis sur Origine. J'ai dû mettre au moins deux mois à le faire. Le faire à fond. Et encore, il y a encore des trucs à faire. Mais l'histoire principale est finie. Et Odyssée, j'ai fait la même chose. La quête principale est terminée. Il y a encore plein de trucs à finir, hein, bien sûr. Hein. Enfin, il me reste plus grand-chose sur Odyssée. Je ne sais même pas. Quand je dis que c'est terminé, je ne sais même pas. Je suis plus très loin de la fin, en fait. Mais bon, j'ai passé pas mal de temps aussi sur Odyssée. Hein. Il a peut-être séjourné aux alentours. S'il l'a fait, il y aura des traces. Ok. Peut-être descendre ici. Donc là, c'est apparemment c'est notre fameuse zone à explorer. Oh non, Eivor, par ici. Oui, qu'est-ce que tu as vu? T'es où? Allez là-bas. Faut pas que je la perde, hein, parce que ce coup-ci. Wow, elle est belle la statue. Des outils. Ouais. S'il s'agit de ceux de Wallace, pourquoi les aurait-il sortis de son sac ici? Ceci mène je ne sais où sous le sol. Mieux vaut nous tenir sur nos gardes. D'accord. Ah, va falloir aller à l'intérieur. Alors, découvrez ce qui est arrivé à Wallace. Et bon, allez. Attention, Petra. Découvrir ça. Cet animal a quelque chose d'anormal. Ouais, c'est quoi ça? Ouais, vous êtes sérieux? Ah, ces fameux sangliers. Allez, son est la flèche empoisonnée. Que je ne reconnais pas. Je me souviens de deux quêtes. Mais je ne retrouve pas laquelle. De deux quêtes qui m'ont mis la misère dans Odyssée avec des sangliers. J'ai cru que j'allais arrêter le jeu tellement que ça m'avait pris la tête. Alors je suis pas quelqu'un. Les bras sont mouillés. Je suis pas quelqu'un qui perd vite patience ou bien au contraire, même si je meurs plusieurs fois, je le refais à chaque fois, je retente. Qu'est-ce qui se passe là? Un effet de drogue ou de je sais pas, c'est bizarre, je suis tout bizarre. Mais j'ai eu une misère dans Odyssée avec les quêtes où il fallait tuer des sangliers légendaires. Je m'en souviendrai. Hein. Je me souviendrai de cette quête-là avec les sangliers. Et encore, il y en a une que j'ai pas pu faire. Parce que j'ai jamais réussi à le tuer, quoi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Lolo, je suis là, je suis dans le gaz, là. Il m'arrive quoi, là? Voilà. Alors, il y a des éléments comme ça où t'as des endroits, c'est envoûté, c'est... C'est un petit peu sous l'effet de la magie, on va dire, entre guillemets. Quoi, ça? Oh là là, je suis tout bizarre. Voilà, c'est passé par ici. Il semble qu'il se soit préparé à manger. J'ai la vue qui se trouble. Oh, on a des serpents. Oh, on a des petits serpents ici, quelque part. Ah, ici, peut-être.
quitter le conflit pour interagir. Comment ça? Ah, peut-être par rapport au serpent. Ouais, ici, juste là. Oh là, je vois rien. Oh, je vois pas grand-chose, là. Je crois que ça allait exploser, ce truc. Ouais, il est énorme, le serpent, là. Je vois pas très bien, hein. Tiens, à côté, je suis pas très bon, là. Je vais essayer de tirer dans la tête. Dans le moment, tu dois être mort, là. Ça m'a bouffé des flèches, tout ça. Allez, des petites œufs vipères. Je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec ça. Est-ce que c'est bon, là? Quelqu'un a été blessé. Voilà, j'étais en conflit, apparemment, avec les serpents, donc je pouvais pas interagir. Voilà. Qu'as-tu trouvé? C'est bon. Elle est où, Petra? Elle est passée où? Allez, là-haut. Ah, on va sortir de cet endroit un peu... Je l'ai vu, Eivor. Un peu bizarre. Je l'ai vu tout près. Wallace? L'élan blanc. L'élan blanc? C'est lui qui m'a conduite à Wallace il y a des années. Il était là. Je l'ai vu. Tu en es certaine? Aussi certaine que je te vois. Elle court vite? Oh, oh, je suis pas tout jeune. Attends-moi. Allez, passez où? Oh, c'est la fête ici. C'est la fête. Et allez, on danse, vas-y. C'est la fiesta. Vous avez bien raison. Allez, on y va. Oh, c'est quoi ça? Petra? Oh! Eh oh! Que Mimir me guide. Je crois qu'elle s'est pris... je crois qu'elle s'est pris un coup d'éclair. Non, mais c'est sérieux. Maintenant, je dois trouver Petra. Ah bah, on n'est pas dans la merde, là. Oh, excusez-moi, on n'est pas dans la galère, plutôt. Petra! Montre-toi! Il commence à faire sombre. Quoi, là-bas? Qu'est-ce que c'est? C'est pas l'élan blanc, ça, non? Elle a complètement disparu sous l'éclair. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu. Il y a une bonne histoire, en fait. Il y a un bon petit scénario. Il y a des événements qui arrivent comme ça. Pourtant, c'est de la quête annexe. Hein. L'élan. Ce sont de la quête annexe. Hein. Et je trouve que les quêtes annexes sont vraiment intéressantes à faire. Interroger l'élan à propos de Petra. Bah tiens, un élan qui parle. Pourquoi pas? On va aller voir ça. On va taper la discute avec lui. Ouais, il est beau. Il est magnifique. Regardez. Il est super beau. Waouh. C'est une belle bête. Hein. Pardonne-moi de te déranger, Seigneur. Coupez la cam, allez. Ravi de te voir ici. Es-tu l'élan blanc dont Petra m'a parlé? Bien sûr que oui. Regarde-moi. Alors tu peux peut-être m'aider. Petra a disparu. Mm-hmm. Je dois la retrouver avant le coucher du soleil. Non, Petra n'a pas disparu. Elle est même tout près d'ici. Et elle t'attend. Suis-moi. Tu es le gardien de ces lieux. Mènes-tu une existence confortable? Parmi... Comme ça, j'ai pas trop mal avant. Attends. Attendez, je vais pas le poursuivre comme ça. À pied, quand même. Donc, on va suivre cet élan avec ma monture, bien sûr. Tu es le gardien de ces lieux. Mènes-tu une existence confortable parmi les collines et les vallons de Mercy? Non, je vis bien, oui. Je mange, je dors, je me promène. Attendez, est-ce que... Interroger l'élan, je l'ai interrogé. Chaque instant. Je l'ai interrogé. Et que faites-vous, Petra et toi, à rôder dans les bois? Vous chassez, peut-être? En un sens, oui. Nous cherchons Wallace, son frère. Elle a attendu son retour toute la journée. Bon sang, oui. Où a pu passer Wallace? Où ça? Où ça? Je me le demande. Où ça? Où ça? Est-ce que Petra est près d'ici? Je crains que nous l'ayons perdue. Elle était là il y a un instant. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Je ne peux pas rester, non. Je dois partir. Wow! Remportez vos maléfices chez Sandog! Oh, c'est quoi ça? Qu'est-il c'est quoi de ce truc? Ça ouais, ça combien là?
Ouais, vous vous calmez là. Vous vous calmez. Ah, j'arrive pas. Je suis mal parti. Non. Ah, je peux pas taper, j'ai l'impression. J'ai l'impression de tourner au ralenti. Je vois rien. Genre, arrête. Ah bon ça. Je vais les faire parler, Petra. Il faut que je sache la vérité. Je dois découvrir qui est. Je suis là. Petra est de retour. Petra est de retour. Oh là. Allez, viens. Je crois savoir où nous trouvons Wallace. Là-haut. Ces traces mènent par là. Petra, ouais, c'est bizarre. J'ai rencontré ton vieil ami, l'élan blanc. Oh, le truc de ouf. Il s'est évanoui devant mes yeux avant que je te retrouve. Tu as été visité. Hey, des ambiances comme c'est un peu nous assez étrange. Nous avons parlé jusqu'à ce qu'il s'évapore. C'est dommage. Oh. J'appréciais sa présence. Oh, regarde là. Ah, c'est reparti. C'est un Seidre bien étrange, Petra. Où es-tu? Elle est spéciale, cette quête-là. Un petit peu particulier. Je vous dis, quelquefois les quêtes annexes comment sont vraiment, vraiment intéressantes à ce faire. N'est pas un tour. Et ça dure, il dure un moment. Hein. C'est pas la. C'est pas la petite quête annexe qui se fait en 10 minutes. Mais comment? Mon micro marche encore parce que j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne sur le live. Attendez. Vérifiez quand même. Personne sur le live. Attendez. Vérifiez. Non, c'est bon. C'est calme. Hein. Dommage. Hein. Dommage qu'il n'y ait pas plus de monde. Hein. Ah, c'est pas grave, moi que je joue tout seul en dehors de Twitch ou que je joue sur Twitch. Comment vais-je y arriver? Pas méchant. Essaie, je préfère partager quand même. Vas-y, cours en ligne droite. Ce que je fais sur ce jeu. Et puis ça fait un. Bah, ça fait de l'animation sur la chaîne, forcément. Ça fait voir un petit peu que je suis retour sur Twitch. Parce que j'étais un petit moment absent. Petra a dit qu'il fallait courir. Allez, très vite. Cours. Allez, on court. Wouah! Non! Ah, c'est quoi ce truc? Trop loin! Ah, c'est incroyable. Top! Incroyable! Tu as réussi comme ça. Je me tépie comme ça. Et sans une blessure. Bon, allons-y. Wallace devrait être là-bas. Tu es sûr que Wallace est là? Je ne vois personne. Je crois, oui. Nous devrions demander aux lapins. Ils doivent savoir. Le lapin. Bien sûr. Les lapins. Alors, on est à 1h19 de live. Ok. Attendez. Ouais. Allez, c'est parti. Nous sommes déjà venus ici. C'est là que les loups nous ont attaqués. Oui. Espérons que leurs esprits reposent et qu'ils ne se réveilleront pas pour nous dévorer. Oh non! Les esprits des loups se sont éveillés. Bonjour, écureuil. Pardon si je te dérange, mais aurais-tu vu mon frère Wallace? Parle d'un avec un écureuil. Celui-là ne porte pas le lapin. Petra, vite! Dis-moi, as-tu vu un homme du nom de Wallace? Attention, j'ai plus tellement de ressources de vie. Ivor, regarde! L'élan est revenu! Là, tu le vois, l'élan blanc. Ah, bizarre cette quête. Jusqu'à Wallace, comme l'autre fois. Elle est étrange. Ah, j'ai les yeux qui piquent. Allez, Eivor, poursuis l'élan. Spécial cette quête-là, hein. C'est un petit peu particulier. Ça te TP à des endroits, il faut que tu utilises soit des animaux, soit des ennemis. Un peu particulier. Bon, elle est pas mal quand même, hein, mais. On va prendre quand même quelques flèches. Par contre, c'est super beau, regardez. C'est trop beau. Le paysage est magnifique. Non, ne pars pas. Un instant, nous sommes chez nous. Nous avons bouclé la boucle sans rien trouver.
Là, c'est des boucles temporelles, peut-être, je sais pas. Ou ça ouvre des portes. Je sais pas du tout. Ah, alors, qu'est-ce qu'on regarde ? Wallace ? Espèce de crétin sans cervelle. Nous t'avons cherché partout. Et je suis là, frais, dispo et prêt à travailler. Tu as des jours de retard. Ma foi, j'ai transporté un fardeau au retour. Cela m'a ralenti. Alors j'ai préparé un campement et je me suis fait une soupe aux champignons. De drôles de champignons, d'ailleurs. Ils m'ont mis dans un état. J'ai arraché mes vêtements et je me suis réveillé tout nu, couvert de bleu, dans les bois. Alors comment je suis rentré discrètement, nu comme un ver, pour chercher des vêtements, avant de revenir chercher mes outils. Des champignons, donc. Alors l'élan n'était qu'un rêve. Peut-être. Mais ne te moque pas des rêves. Ils peuvent être plus importants que nos heures d'éveil. Je suis peut-être encore sous l'effet des champignons, mais c'est agréable. C'est beau ces talents, hein. Oh, magnifique. Je me suis bien amusée aujourd'hui. On pourrait peut-être recommencer, sans les champignons. Pourquoi pas ? Mais il va falloir que je demande l'autorisation au lapin. Non mais les trucs, franchement, il y a des trucs super sympas dans les quêtes annexes. Chose qu'il n'y avait pas, c'était pas trop dispo dans Odyssée. Odyssée, je trouve que les quêtes annexes étaient vite terminées et c'était pas quelquefois les plus intéressantes. Moi, j'ai récupéré 4 points de compétence. Mais c'est vraiment top, ça. C'est... Ah, cool. C'est génial. Bon, allez, on va récupérer ça. On va mettre la cam. Alors, je vais aller voir pour mes points de compétence avant tout. On va pas les oublier. Le sprint, ouais, ça c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Hein. Changement d'arme. Ouais, je vais prendre ça. Dégâts supplémentaires lors de tirs consécutifs. Je sais pas. Je pense que je vais soit prendre ça ou je sais pas. Encore. Après avoir une part de réussi. Non, mais je vais prendre la flèche. Ouais. Ouais, je vais prendre ça. Ça a l'air pas mal. Ici. Alors si je prends ici, alors attendez, si je prends ici, est-ce que je vais pouvoir prendre là? Ah non, c'est pas ça, je me trompe. Passe tout le temps. C'est ça, des combos de tir à l'arc léger, voilà. Pourquoi je peux pas le prendre ça? Excusez-moi. Et voilà, encore un point de compétence. Donc ça c'est fait. Pour les dégâts au niveau de l'arc. Ça.
Magie de l'assassin. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je peux pas le débloquer, ça, si? Non. Non, non, je peux pas le débloquer. Plus 2 en probabilité critique. On va prendre ça, allez. Attends, je peux celui-là? Voilà, 60. Allez, on passe 60. Je pense que c'est intéressant de faire ces fameuses quêtes annexes. Ouais, toutes les runes. Waouh. Dégâts toxiques. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal. On va essayer de voir si je peux pas rajouter quelques runes quelque part. En changer. Ah, il y a des runes que je peux pas mettre sur certaines choses, d'accord. Une des 10 mineurs. C'est à la place. Là, ça c'est pareil, je vais changer. Je vais prendre autre chose. Voilà. Ah, il faut aller là-bas. Quoi ça? Ah oui, l'anomalie d'Animus. Alors ça, j'ai jamais rien compris comment ça fonctionnait. Hein. Faut aligner, je sais qu'il faut aligner un faisceau lumineux. J'ai pas compris comment il fallait faire. Bon, bah on va pas dire qu'il y a eu encore du monde aujourd'hui. Hein. Pas folichon. Bien dommage. Hein. Incroyable de voir ça, quoi. Bon. Ouais, bon, c'est vrai que j'étais absent pendant pas mal de mois. Je me suis dit, bon, samedi matin, il y aura peut-être un petit peu plus de monde. Bah, non, non. Ouais. Niveau légendaire ici. Puissance 90. Oh, il y a des trucs à récupérer, là. Il y a des trucs de folie, ici. 160, c'est pas la peine, j'y vais pas. Pas la peine d'aller... Bon, je vais voir un petit peu ce qu'il y a dans les quêtes. On va continuer. De toute façon, il est quelle heure? Ouais, on a encore un peu le temps. Trouver, tuer les membres, c'est pas ça. Trouver le codex. Les contrats. Bâtir, donc ça. Bah, on va repartir sur la quête principale, du coup. Voilà. On va prendre cette fameuse quête principale. Tout simplement. Qui se trouve là, à mon avis, si loin que ça. Ah ouais. Bon, bah écoutez. Ouais, ici, on a une petite... Oh non, c'est un campement de 250. Oh, c'est même pas la peine d'aller se promener là-bas. Hein. Ici, celle-là, peut-être. Pourquoi pas aller l'attaquer. Bah, voilà. C'est ce qu'on va faire, les amis. Là, c'est possible de le faire. Et ben, on va... Ah ouais, alors, au niveau soin, maintenant, faut voir. J'ai pas l'air d'avoir beaucoup de soins en plus. M'embête un peu.
Non, j'ai pas beaucoup de flèches. Oh là là, je vais l'attaquer comme ça, là-bas, à ce campement. Sans avoir quelque chose de bien terrible. Bon, c'est pas grave, je vais me TP dans mon campement. Je vais trouver une solution. Je vais aller acheter tout ce qu'il faut. On va faire ça. Je vais aller voir ça. Je vais retourner là. On va se TP ici. Voilà. Bon, un forgeron. J'aimerais voir ce que tu proposes. Pourquoi je peux pas l'améliorer? Je comprends pas. D'accord. Alors, je suis en train de regarder au niveau des stats. Monte armure, plus votre santé est faible. Passion supplémentaire des pouvoirs critiques. Ah, ça me rajoute, en fait, ça me rajoute un emplacement de rune supplémentaire, d'accord. Donc c'est quoi le supérieur? C'est un... C'est pas le meilleur, alors, le supérieur, apparemment? Ah bon? C'est vrai qu'au niveau des stats, ils sont identiques. Là, on peut en mettre deux. Ouais. Je suis perdu, hein. Franchement, je ne sais pas si le parfait, la cape parfaite est mieux que le supérieur. Pour moi, par rapport aux couleurs, je n'en sais rien. Je sais pas. Apparemment, on peut avoir plus d'emplacement de runes aussi. Allez, on va tenter ça, on va voir, hein. Mais ça me coûte, j'en ai que deux de toute façon. Voilà, on va prendre ça, on va voir. Ça y est, hein. On va tenter ça. Ah, par contre, cet arc a l'air pas mal, hein, j'y pense. Non, c'est pas ça, si. 62, là, c'est 66, 81. Là, je peux pas. C'est intéressant, ça. Je peux le passer en supérieur, alors attendez. Ouais, si, c'est ça. Ça peut être pas mal, ça. Allez, on va prendre ça, tiens. Ouais, ça peut être pas mal, là.
Ah, sans ça. Coucou sans ça, attendez. Je vais voir pour te... Pour te... Voilà. Salut sans ça. Comment tu vas? Ah ouais, non, mais les bots, ils sont au taquet, hein. Vu que j'ai pas de modo sur mon live. J'ai pas de modo sur, les, sur mon live, donc mon bot, il rigole pas avec les le spam. Hein. Il surveille, hein, attention, il est au taquet. Hein. Ah oui, il est réactif. Il est réactif. Ah, j'espère que tu vas bien sans ça. Ça fait plaisir de te retrouver. Ouais, on se connaît depuis un bail, hein, quand même. Hein. On a cette chance de se connaître depuis... On va pas dire qu'on fait partie des vieux meubles de Twitch, quand même. Nous, on est quand même, ça fait quand même une paire d'années qu'on fait des lives. Ah, on s'est un petit peu éloigné par-ci, par-là. Après, c'est normal. Hein. Chacun a un petit peu ses obligations. Le boulot aussi, également, la vie familiale, c'est pas évident. Mais je vois qu'on reste en contact, c'est vraiment génial. Voilà. J'espère que tu vas bien sans ça par rapport à tout ce qui se passe. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas trop la joie, on va dire. Mais il faut faire abstraction un petit peu à tout ça en restant prudent, bien sûr. Restez prudent. Oh, la santé, c'est pas top, hein. Voilà, je sais pas. Là, je reprends un petit peu les lives depuis quelques semaines. Je me booste un peu à reprendre parce qu'à un moment, je me posais la question de savoir si j'avais pas vraiment arrêté parce que la santé, ça n'allait pas du tout. Voilà, j'ai des pathologies qui se sont rajoutées par rapport à ce que j'ai déjà mes problèmes de dos, ma maladie au niveau de ma colonne vertébrale, c'est pas génial, c'est pas top, c'est les maladies évolutives forcément. Voilà, après je suis ils m'ont trouvé de l'apnée du sommeil, donc je passe des nuits, mais vraiment des nuits horribles. Je suis obligé de dormir avec un appareil. C'est une galère d'ailleurs. Donc voilà, il y a encore des petits trucs qui se sont rajoutés en plus de ce que j'ai, donc il y a un moment, j'étais à saturation, très 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 fatigué, énormément fatigué. J'arrivais pas du tout à récupérer de mes nuits. Donc voilà, c'est un petit peu les dernières nouvelles. Sinon, ça va, le moral est là quand même. Voilà, le moral est là, donc à part la santé qui est pas top, quoi. Ah, je pense à... Ah ouais, tu penses à fond, moi je m'en doute, t'as pas un boulot facile, il me semble. Hein. Vous assurez que vous ne soyez pas dans le froid avec le chauffage. Ah oui, d'accord. Ah ouais, surtout cette période là-bas, bien que l'hiver en ce moment n'est pas, nous par chez moi dans le nord, on n'a pas des températures trop trop froides. Là ça va arriver, hein. Là le froid va arriver dans les jours à venir. Mais les jours précédents, ça allait encore au niveau des températures. Ah, bon courage en tout cas, sois prudent sur ça pour le boulot surtout. Voilà, tiens, je vais partager, je profite que tu sois là, parce que c'est un événement qui pour moi a son importance. Pour une fois, je vais partager, je vais streamer pour l'association Cœur de Gamer. Je suis vraiment heureux qu'ils m'ont retenu. Pourtant, je suis pas quelqu'un, pas une grosse chaîne, hein. Voilà, y a pas beaucoup de monde. La preuve en est, je suis tout seul aujourd'hui. Et ils m'ont laissé cette chance de pouvoir participer à un événement. Ah, bon, bah, il est l'heure de prendre ma dose de morphine. J'arrive. Bah, tiens, justement, je vais te mettre une petite publicité pour cet événement. Une petite vidéo, tu auras l'occasion de découvrir ça. Allez, j'arrive tout de suite, les amis.
Voilà, ça va être un gros gros événement, comme vous pouvez le voir sur la vidéo. Il y a du Destiny 2 hein, sur la chaîne Carte de Gamer 2. Je partage cet événement parce que ça me tient à cœur. C'est pour une bonne cause en plus. Et en étant donné que je vais participer, je vais faire des lives aussi également pour le Before. Hein. J'appelle le Before, c'est le début avant le CDG 3. Voilà. Donc il y aura, je vais vraiment streamer à fond sur cet événement-là, parce que ça me tient à cœur. Voilà, c'est pour l'association Make-A-Wish France. Donc c'est cette association-là. Et là pour tout simplement réaliser les vœux des enfants malades. Donc c'est important. Quand on est atteint d'une maladie, en étant enfant, on a plein de projets, on a plein de rêves, on a plein d'envies. Donc forcément, il faut les aider. Hein. Voilà. Allez, je repars sur ma chaîne de jeu. Voilà. Donc n'hésitez pas surtout à partager un maximum. Alors vous allez, pour ceux qui me suivent sur Twitter, je vais énormément tweeter cette information. N'hésitez pas à reprendre ce tweet pour le partager, surtout. C'est important. Alors j'espère que j'aurai du monde hein, sur mes lives. J'espère qu'il y en aura parce que j'ai pas trop envie de... d'être seul hein, pour ce genre d'événement. Alors bien sûr, hein, encore une fois, je ne forcerai pas les gens à faire des dons. C'est selon vos moyens. Déjà, le fait de pouvoir partager cet événement et de le mettre sur vos réseaux sociaux, sur vos Discord, déjà, pour moi, c'est comme si vous avez fait un don, quoi. Voilà. Voilà. Bon, si vous avez possibilité de même mettre un euro, pourquoi pas. Voilà, il faut de l'entraîneur à l'heure actuelle. Les temps sont durs et voilà. Et puis c'est voilà, la bonne cause est là et ça me touche à cœur. Ça me touche énormément et j'avais tout le temps voulu participer à ce genre d'événement. Voilà, et le CDG2, on m'avait demandé également de streamer, mais j'étais pas trop top au niveau santé, donc j'ai pas pu le faire. Enfin bref, voilà. Donc là, cette fois-ci, ils m'ont retenu. Ils étaient pas dans l'obligation, bien sûr. Et parce que ils ont laissé la chance à des petites chaînes tout simplement où il n'y a pas tout le temps énormément de monde, où ce sont des chaînes où au niveau follower il y en a 200, 400, 300 ou 1000, voilà. Donc je trouve ce before là bien, vraiment bien pour pouvoir donner un peu d'espoir également pour des petites chaînes et puis dire voilà. On peut faire des bonnes choses en étant petit sur Twitch et puis contribuer pour une bonne cause. Hein, voilà, c'est surtout ça. J'ai bien remis mon micro, j'espère. Quelquefois, mon micro déconne. Voilà, alors n'hésitez pas à passer l'info. Voilà, je vais vous redonner également tous les liens. Voilà, voilà, voilà. Donc, je compte sur vous déjà pour partager cet événement. Puis pourquoi pas essayer de passer au maximum sur les lives et participer un petit peu. Voilà, donner un peu d'animation, ça va pas être évident parce que voilà, comme je vous dis, il n'y a jamais beaucoup de monde. Mais on verra bien. Voilà, mais même s'il y a pas de dons d'effectuer lors de cet événement, j'espère qu'on aura. Hein. Voilà, le fait de dire voilà, j'ai apporté ma contribution, je me suis fait voir sur Twitch pour cet événement-là, eh ben je serai heureux, tout simplement. Ouais, c'est cool, voilà, c'est vraiment cool, ça me tient à cœur. Voilà, il y a longtemps que je voulais faire ça. Bon, voilà, le problème, c'est que je dois établir un planning. Le planning va être un petit peu aléatoire parce que le gros souci, je peux pas prévoir à l'avance. Je peux être très, très bien aujourd'hui et dans 2 heures être très mal, hein, et être allongé dans mon lit. Hein, voilà, donc c'est ça. C'est ce gros souci. Mais j'essaierai, de toute façon, vous serez informé par Twitter, tout simplement, au moment de l'événement, au moment de mes lives. Voilà, voilà. Et c'est pour ça que j'hésite pas à en parler. Je vais assez vous spammer le Twitter avec ça, mais c'est tout à fait normal. Bon, là on était dans du on est à la forge tout simplement pour essayer de voir un petit peu comment je pourrais améliorer tout ça. Je sais pas si tu as le jeu sans ça. Je sais pas si tu le possèdes. J'essaie de voir un peu est-ce que le supérieur est mieux que le parfait. J'ai l'impression qu'au niveau des stats, c'est identique et apparemment, le parfait, on peut rajouter des emplacements de runes supplémentaires. Donc, je vais certainement passer sur les armes parfaites. Ah, t'as pas de console? Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu t'es que sur PC, toi, sans ça. Voilà, je voulais prendre sur PC ce jeu. Mon PC de jeu, il n'a pas tourné pendant 3 mois.
Et pas tourné pendant 3 mois parce que j'ai pas été fort actif, j'ai pas acheté de, j'ai vraiment pas acheté de jeu du tout. Et j'ai pris Valhalla parce que il est sur console et de temps en temps, bah, je descends cette console là dans le salon pour une question de confort. Le confort, il y a des moments je serais bien mieux dans mon salon que dans ma pièce ici. Voilà, et puis ça me permet de jouer un peu plus dessus en dehors de Twitch, de continuer à avancer. C'est pour ça que je l'ai pris sur console. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire là? Non, je peux pas le faire. Ici, on est sur quoi? J'ai bien envie d'améliorer également ça. On en a 17. Est-ce que cet arc est bien meilleur par rapport à ce que je possède? Attendez, je vais voir ça. Je suis un peu perdu dans l'inventaire comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Il y a trop de choses. Quand il y a trop de choses, généralement, je me perds. Alors, attendez, on va juste vérifier mon arc. L'arc que je possède. Ah, c'est du 81, d'accord. D'accord, ouais, donc ça vaut pas le coup de l'améliorer. Hein. Même si je prends... Là, on est sur du mythique. Ah ouais, j'ai peut-être été un peu trop vite. Ouais, j'ai peut-être été un tout petit peu trop vite par rapport à... Oh, bah c'est pas grave, je pense que j'ai fait une grosse erreur. De modifier les stats, vraiment, les stats sont bien meilleurs sur les armes mythiques que sur les armes parfaites. Voilà. Bon, bah, on va rester sur ce style d'arme. Hein. Je pense que c'est le plus haut, hein, il me semble. Hein. Il n'y a pas au-dessus, il me semble, au niveau de la spécification des armes, je pense. Bon. Bon, on va rester comme ça, on va pas trop dépenser ces lingots, voilà. Hein, tout ça, je peux pas les vendre, tout ça. Non, ah oui, c'est vrai, il faut que je... Ce qui est bien dans ce jeu, ils ont également rajouté la... Voilà, tu dois gérer un campement, tout simplement. Tu dois apporter des éléments pour gérer ton campement. Pour que les vikings soient le mieux possible pour les prochains... Les prochains combats, on va dire. Les prochaines quêtes, voilà. Ah oui, il y avait cette... alors, 31. On est sur vitesse 80, 31. 67, le poids 9. Ah, je voudrais trouver une dague. Plutôt, puis changer ma hache. Mais quand on voit les stats, c'est pas terrible, en fait. Au niveau dégâts, ça a pas l'air terrible. Bon, on reste comme ça, on verra plus tard. On verra ça plus tard. Voilà, après je fais peut-être des erreurs, je fais peut-être pas le bon choix. Moi je galère tout le temps quand il y a trop de choses. Hein. Mais c'est compliqué. Vous voyez, celle-là au niveau stats, elle est vraiment pas bonne alors que je l'ai améliorée. Ah, j'aurais peut-être pas dû prendre ça. Bon, c'est pas grave. On fait des erreurs de temps en temps. On le revendra. Allez, c'est parti, je vais tout simplement... voir si je peux pas récupérer. Alors attendez, c'est pas ici. Qu'est-ce que tu vois? Alors c'est pas là. Je cherche l'endroit où je pourrais me procurer des rations. Ah voilà, c'est là. Ouais, me procurer des rations parce que là je m'en vais attaquer un camp. Pour fermer tout simplement, comme d'habitude. Tu joues sur quoi sinon en ce moment sans ça? T'es sur. Je pense que tu es un grand fan également des Final Fantasy, il me semble. Hein. J'espère que je dis pas de bêtises. Puis-je voir tes marchandises? Je sais pas si tu étais encore sur du Final Fantasy ou pas. Je m'en souviens plus, excuse-moi. C'est parfait. Sincèrement. Non, c'est pas bon. Ah, Destiny 2. Ah, bah justement, tu vois, il y a un gros concours, je te dis, cœur de gamer. Sur Destiny 2, d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est... ça va être un 30 heures, il me semble. Ils vont faire un 30 heures non-stop pour cet événement-là. Pourquoi pas également, tu pourras aller voir. C'est sur la chaîne Carte de Gamer 2. De toute façon, les infos seront diffusées sur Twitter, hein, vous inquiétez pas. Mais il y a un grand événement qui va se passer sur Destiny 2 également. Voilà, ce sont vraiment des joueurs qui font que ça. Hein, mais vraiment... Ah, tu l'as vu dans la vidéo, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Et du Final Fantasy. Alors, Destiny 2, j'aimerais bien m'y remettre. Alors, moi, je suis quelqu'un, malheureusement, dans les jeux multi, j'en fais de moins en moins. Mais vraiment de moins en moins.
parce que bah, je j'ai plus les réflexes d'avant, j'ai des problèmes de concentration incroyables. Je crois que ce serait un donc très bon j'ai presque donné. J'ai juste envie de dire, j'ai pas trop envie de pénaliser le joueur avec qui je joue. C'est surtout ça. Et j'en ai d'autres, sache-le. Parce que franchement, Destiny 2, c'est un jeu que j'adore. J'adore également, mais il faut que je sois accompagné et il faut que je trouve également un joueur qui puisse entre guillemets me respecter tout le principe de ce jeu. Mais j'ai tout le temps bien aimé hein, les Destiny. Hein. Je m'étais remis un moment dessus. On y faut flash, est-ce qu'on en achète pas encore? On va en acheter beaucoup ou pas? Voilà, mais le problème c'est que voilà, j'ai manque de réflexe, je manque de concentration. Un choix très perspicace. Donc j'ai tendance à de laisser passer cela. Un petit peu à pénaliser l'équipe avec qui je joue. Hein. Voilà, c'est pour ça que je fais plus de multi. C'est pour ça que j'en fais plus. Je me concentre sur du jeu solo et au moins j'embête personne quoi. Voilà. C'est surtout ça. Mais j'aimerais bien en refaire, hein. Je vous dis pas, j'aimerais bien en refaire du jeu multi. Mais bon, on verra bien. Hein. Ça c'est quoi? Permettre de l'acquérir. Allez, on va prendre un peu de lingot. Fais-en bon usage. C'est un petit peu chéro, mais lien de carbone. Allez, on en prend encore un. Tu devrais prendre ceci. Je t'assure. Voilà. Là, au niveau des rations, on en prend deux. Ben, là, on est full. Au niveau des flèches de chasseurs, non, ça, j'en prends pas. Ça, ce sont des flèches de dégâts. Allez, on en prend. Ah, je peux même pas acheter. J'ai plus de place, ça. C'est full. Ok. C'est parfait. Les runes, résistance aux dégâts incendiaires, bon ça on n'en prend pas, les plans. Ça c'est tout à fait toi. Les plans, je sais pas comment les utiliser, donc pour l'instant je ne prends pas. Tu as tout ce qu'il te fallait? Voilà. Et puis, bah on y va, on va aller attaquer ce petit camp, puis on arrêtera pour aujourd'hui. À une prochaine fois. Voilà. C'est toujours un plaisir, Eivor. J'ai pas eu beaucoup de monde, hein. Franchement c'est triste, hein. Ça se voit que j'ai été absent pendant pas mal de temps, hein. J'ai l'impression que je l'ai ma commune. Bah, de toute façon, j'ai plus de communauté. Hein. Je te cache pas qu'au niveau de ma communauté, c'est ils se sont évaporés comme pas possible. Voilà. J'ai pratiquement plus personne. Avant, je vais pas dire qu'il y avait eu tout le temps du monde, mais on était au moins une dizaine à chaque live. Mais là, il y a plus rien. Voilà. Mais je suis même à la recherche de Modo pour cet événement, donc je vais voir pour essayer de voir pour recruter quelques modos pour qu'ils puissent un peu m'aider pour m'accompagner surtout. Voilà. Alors moi je force jamais rien, mais mes modos ils ont une liberté incroyable. J'en ai deux hein, mais ils sont pas tout le temps là parce qu'ils ont voilà, ils ont une vie familiale, une vie professionnelle et tout, donc voilà, ils sont pas tout le temps présents. Et deux modos c'est pas suffisant. Hein. Voilà, surtout pour ce genre d'événement. Ouais, je vais devoir aller loin. Je vais devoir aller loin, alors attendez. Eh ben, ça va pas être compliqué. Moi, je vais me TP ici. Ici, on va se TP là, je pense. Hein. Ouais, ça peut être pas mal. On va se TP là. Ouais, j'avais du monde régulièrement. Ouais, il commençait à y avoir du monde, ouais. Ouais, bah après... Un gros souci, c'est que j'ai eu quelques soucis avec certaines personnes et malheureusement ça a mis un petit peu l'embrouille sur la chaîne et il y en a pas mal qui sont partis. Hein. Voilà. Il y en a pas mal qui sont partis. Donc voilà, comme tu sais, il y a tout le temps des petits conflits entre telle et telle personne et ça a créé pas mal de problèmes. Ouah, mais comment ça ralentit? Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui cherche à faire des histoires, quoi. Alors. Ici, on va pouvoir prendre là-bas. C'est la vie, que voulez-vous, c'est comme ça, il y a des gens qui viennent, des gens qui partent, il y a des gens que je rebotte de temps en temps, même si j'ai pas vu depuis un bail, et ça c'est bien, les gens sont restés fidèles. Je me suis même d'ailleurs pris une vague de une follow, mais ça a été la catastrophe, là quand je me suis mis à l'arrêt, hein, j'ai pris des une follow, mais c'était incroyable.
C'est pour ça, et je vous dis, à un moment, je me dis, oh, mec, est-ce qu'il y a encore un intérêt à arrêter? Et puis après, bah, oh, je dis, allez, on retente, on verra bien. Ça reste une passion quand même de pouvoir streamer. Moi j'en ai besoin. J'ai ce besoin de communiquer, de m'évader sur les jeux vidéo. Alors je me dis en moi-même que je sois seul dans mon salon et voilà, et puis que je le partage pas sur Twitch, bah je peux encore vous faire partager mes aventures sur les jeux vidéo. Et puis en faisant ça sur Twitch tout simplement. Voilà. Qu'il y ait du monde ou pas de monde, bah on verra bien quoi. Je pense que je peux sauter ici, à mon avis. Faut que je calcule pour bien sauter, pour pas me planter. Je pense que je peux sauter là, non? On essaye. On essaye. Voilà, c'est parfait. Allez, c'est parti. On va l'attaquer, ce fameux campement. Oh là là, je me suis fait repérer. Vous savez quoi? On va prendre ma monture. Monture particulière, regardez. C'est magnifique. C'est tout simplement un loup. Allez. C'est pas le moment de traîner là. Hein. Mais vraiment pas. Je vais passer. Par où je pourrais passer? Alors attendez, faut vraiment que je sorte de là. Ah, il peut pas sauter. Il peut pas sauter. Ah d'accord, bon c'est un chien mais il arrive pas à sauter. Ouais excellent, il est pas mal, ouais, c'est une belle monture. Hein. Bon c'est des... Ça me paraît un petit peu irréaliste forcément. Hein. Voilà. Dans le temps des Vikings, tu pouvais pas monter comme ça sur des chiens mais bon. C'est sympa. Oh attention, faut que j'aille dans le vide là. Faut que je fasse attention quand même à ma monture. Alors on va passer là-bas. Allez, on va attaquer ce fameux camp. Il est quelle heure? Ouais, j'ai encore le temps. Ma femme est encore au boulot. Donc, voilà. Euh, 750 mètres. Allez, on y va. C'est parti. Alors, je m'occupe pas vraiment tout de... Je vais pas m'occuper de ce qui se passe aux alentours. Parce que le temps que je puisse attaquer ce fameux camp. Voilà, je voudrais pas trop déborder. Ici peut-être. Ça, on va récupérer. C'est important de les récupérer, ça. Et je suis devenu fan de cette licence. Voilà, j'ai vraiment mon tout premier Assassin's Creed, ça a été Origine. Et depuis ce temps-là, voilà, je suis vraiment devenu passionné de ce genre de jeu. Alors qu'au départ, ça me disait vraiment pas grand-chose. Mais Origine, c'est Origine qui m'a tout simplement donné l'envie de jouer à cette licence-là, quoi. Voilà, j'aime bien un peu ce monde ouvert. Voilà, entre guillemets, où tu as une liberté incroyable. Si tu vas aller chasser, tu vas chasser, tu vas pêcher. Voilà, après tu repars sur les quêtes. Voilà, il y a une liberté ouais, vraiment, vraiment géniale. Et j'aime bien ce genre de jeu. Regardez, il est vraiment beau ce jeu, malgré tout. Hein. Bon, on est sur la One X. Là, j'attends un petit peu... est-ce que Micromania me puisse m'envoyer la série X, parce que je l'ai commandé également. Mais je suis pas prêt de l'avoir. Hein. Je l'aurais pas avant le mois de janvier. Donc on va être patient, c'est pas grave, faut être patient. Hein. Tant pis, hein, c'est... Voilà. J'ai fait un petit plaisir. Allez, passer par là. Ah, tout à l'heure, je vais tomber. Ah, coucou, Halloween. Salut, Halloween, comment ça va? Et GG pour ton level, sans ça. J'espère que tu vas bien, Halloween. Ça fait plaisir de te retrouver. En plus, on est week-end. C'est merveilleux. Alors, on va devoir attaquer ce fameux camp.
Là, donc, la mission principale, on la fera plus tard. Voyez, ici, on a un campement ici de niveau 20. Eh ben, on profite de le faire. Voilà, bon, il y a des ressources à prendre là, mais je vais pas m'amuser à les retourner en arrière. J'espère que ça va en tout cas, Olin. Allez, je profite que tu sois là pour partager un événement qui va y avoir lieu à la fin du mois. Voilà, je te passe l'info. Surtout, n'hésitez pas à partager cet événement-là. Voilà, je vais participer en tant que streamer, donc c'est pour une bonne cause en plus. C'est pour l'association Make-Wish France. Donc c'est une association, je vais arriver à le dire. Qui s'occupe de réaliser les vœux pour les enfants malades. Donc c'est un superbe événement. Il va y avoir plus de 60 streamers pour le Before CDG3. Il va y avoir après par la suite CDG3 sur la chaîne principale de la chaîne... Enfin, la chaîne Cœur de Gamer. Je vais arriver à m'expliquer. Désolé. Voilà, il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a également un gros live qui va s'organiser sur Destiny 2 aussi. Voilà, il y a pas mal d'infos. Alors surtout, si vous pouvez partager cet événement-là sur vos Discord. Ah, collection PLS. Alors attendez. Ça passe pas, Olin? Tu as du mal à me suivre? Ah, attendez. Est-ce que ça vient de moi? Non, ça passe encore. Ah, je suis désolé. Est-ce qu'on peut choisir la qualité du live par contre? Alors attendez, ouais, non, ça a l'air de passer. Voilà, Olwyn, alors si tu peux passer l'info sur ton Discord, voilà, ça serait vraiment bien sympathique. Et puis je compte sur vous pour votre présence, bien sûr, pour faire passer l'info au moment de mes lives. Voilà, il y aura certainement un live le matin, l'après-midi, et un ou deux lives le soir, à 21h. Ah, ta connexion, d'accord. Ta connexion plus vraiment. Ouais, d'accord. T'es fibré, Olwyn, ou t'es en ADSL? Ouais, je suis déjà en 360. D'accord. Voilà, donc voilà, je vous passe l'info. Puis si vous avez besoin de renseignements, de toute façon, vous allez voir, je vais blinder le Twitter. Hein. Voilà, je vais passer un maximum d'informations concernant ce truc. Voilà. C'est anormal, c'est la première fois que je participe à ce genre d'événement. Et ça me tient à cœur, tout simplement. C'est pour une bonne cause. Ah ouais, ça charge régulièrement, d'accord. Ah, je suis désolé. Hein. Tu peux pas choisir la qualité? Ah, t'es en coaxial. Mais t'es quoi? T'es fibré ou tu es en VDSL2? Normalement, ce matin, particulièrement mauvais, hein, d'accord. Alors moi j'ai la fibre depuis pas longtemps, parce que je sais pas si vous avez connu le moment à l'époque où j'ai streamé avec un routeur 4G. Donc ça marchait très 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 bien, mais il y a des moments où le signal n'était pas top, mais ça m'a permis quand même de streamer 2 ans comme ça avec la 4G, et ça avait bien fonctionné. Et là depuis que j'ai la fibre, c'est du bonheur, hein. C'est vraiment du bonheur. Allez, on va aller essayer d'aller tuer ce soldat. Non, pas de fibre, ah d'accord. Ah ouais, c'est top. C'est pas top, quoi. Malheureusement, ouais, c'est pas génial, en fait. À toi qui habites dans une grande, pas loin d'une grande ville, c'est étonnant qu'il n'y ait pas encore la fibre. C'est pas normal, hein. Ouais, c'est vrai que c'est pas normal de pas avoir la fibre à proximité d'une grande ville comme ça. Oh, ça va faire plus de 6 mois que j'ai la fibre. Et franchement, le jour où tu passeras la fibre... Je me suis fait repérer. Je pense. Ah mince, je me trompe de tous. Je me trompe de touche, désolé. Je suis un mauvais viking. Alors attendez, là il y a du monde. Ah non, il y a trop de monde. Est-ce que j'ai bien fait d'attaquer ce camp? Moi, je me pose la question. Non, il y a plein de ressources. Je suis au bon endroit au moins. J'espère que je suis au bon endroit. Oui, voilà. On est au bon endroit, c'est génial. T'arrives quand même à streamer en 1080? Ah ouais, d'accord. Ah, c'est quand même pas mal.
Ouais, donc tu dois être en VDSL 2 à mon avis. Je pense ça. Ouais, c'est gentil sans ça. Faudrait que je te passe VIP aussi, hein. Même si on se voit très peu sur Twitch, tu fais partie vraiment des anciens de la chaîne. Je te mettrai VIP là ça me fera plaisir de te passer VIP. Voilà. Voilà, pas de soucis sans ça. Ça fait plaisir. Mais franchement, j'étais bien bien content que tu as pu passer sur le live ce matin. En cette fin matinée, on va dire. Voilà, bon appétit en tout cas. Sans ça. Moi, j'ai pas trop traîné non plus. Je sais pas. J'ai attaqué ce camp là maintenant, mais il y a trop de monde et j'aurais peut-être pas fini à temps. Voilà, et je vais bientôt devoir couper aussi. Vous voyez pas le people qu'il y a là-dedans. Bon, c'est du niveau 20, hein, mais. Je pense qu'à mon avis, si je le tue discrètement, ça devrait le faire. On y va? C'est parti? Allez, hop. Hop. Allez. Allez, hop, ça, on n'en parle plus. Ça, j'adore cette attaque-là. Voilà, tu assassines quelqu'un, aussitôt tu as cette possibilité de jeter une hache. Tout simplement sur l'ennemi qui se trouve à côté. C'est vraiment génial. Bonjour, enchanté. Oh, lui, il est seul, lui. Alors, si lui, il est de dos ou pas, j'arrive pas vraiment à voir. Je pense qu'il m'a vu, malheureusement, il m'a... Ah non, il n'y a pas de dos. What? Je pensais qu'il était de dos. Allez, petite richesse collectée, c'est le but des campements. Hein. Enfin, des campements. Oh là là, je fatigue. Des villages. Avec l'aide de l'équipage, on devrait pouvoir le attaquer. Allez, on va appeler mes collègues. Je commence à fatiguer. Il va être temps que j'arrête. À la bataille! Allez, c'est parti. On va appeler du monde pour attaquer ce village. Waouh, c'est beau ça là-dedans. Sinon, ça va, Halloween, depuis la dernière fois. Voilà, donc je sais pas si t'as pu prendre un petit peu les informations concernant l'événement. Fin novembre, à partir du 30 novembre. Voilà, comme je vous dis, hein, je compte sur vous sur un... Il y a un bug là. Ouais, vous êtes sérieux, regardez. Il y a un beau bug dans... Bah c'est Ubisoft. Voilà. Voilà, donc c'est vrai que c'est rare que je demande à mes viewers de faire certaines choses, mais là il faut vraiment vraiment partager ça et voilà. C'est important. Je serais vraiment heureux. L'entraide entre streamers est superbe. Donc il faut faire ça. Il y a plein de gens qui participent autour de moi. Ah d'accord. Ah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Il y a plus de 60 streamers hein, pour le before. Et ce qui est vraiment génial, c'est que Cœur de Gamer m'a laissé une chance de pouvoir également participer. Parce que je suis pas non plus une grande chaîne. Hein, voilà, je suis pas un grand streamer non plus, mais le fait de laisser ma chance de pouvoir participer à ce genre d'événement, c'est vraiment génial. C'est vraiment superbe. Bon, je vais peut-être devoir recruter quelques modos. Je vais voir un peu. Là, j'ai une réunion dimanche. Voir comment ils vont s'organiser pour chaque événement au niveau des modos. Je vous tiendrai au courant si vraiment je suis à court de modos. Je serai peut-être obligé dans l'obligation d'en recruter un ou deux. On va voir. On verra bien.
Ça c'est bon. Par contre là il est sombre le jeu. Je le trouve assez sombre. Je vois pas grand chose. Voilà. Bon, c'est un petit village, hein. Il n'y a pas grand chose à récupérer. Mais ça fait partie des missions de ce jeu. Ah là-bas, il y a du monde. On a du monde ici. Ah, il est monté. Il est monté. Ah, je vais prendre feu. Oh, je vais prendre des dégâts. Ça brûle. Allez. C'est chaud. D'accord, pas de soucis, Olin. Il n'y a pas de problème. Ah, je me fais attaquer par une poule. Même les poules sont agressifs. C'est cool ça. Prends ça. Je suis pas bon du tout à... Le tir à l'arc, je suis vraiment pas bon. Vous voyez, au niveau de la visée, c'est la galère. Oh, j'aurais pu faire autrement. J'aurais pu faire une attaque. Ok, là on est bon. Oh là, ça va péter là. Ça part dans tous les sens dans ce jeu là. Allez, on va l'aider, lui on va le soigner. Ça c'est bien aussi de pouvoir soigner également ses alliés. Tout ça top. Alors et lui, qu'est-ce que son point faible? Allez, on l'attaque direct. Hein. Voilà. Non, je le porte pas. Alors ici, là, on n'a rien. Là-bas, apparemment, il y a un logo avec un tonneau. Je pense que ça doit être des ressources, à mon avis. Non, je peux pas. Je pensais que c'était une porte. Mais non, c'est un mur. Comment il panique? Un secours. Excellent. Mais non, je suis pas obligé de les suivre. Ah, ici. Quoi ça? Quelques petites rations pour reprendre des forces, de l'argent, et hop. Ah purée. Gameplay, il y a des moments il est un peu compliqué. Bon, on n'a rien en fait ici dans cet endroit. Et je sais pas pourquoi là. Je sais pas pourquoi le jeu d'un seul coup il me paraît beaucoup plus sombre. C'est bizarre. Bah après tu me dis, on est apparemment passé sur la nuit. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a encore des soldats à tuer? Ah, il y a encore des ressources là-bas. Mais non, je vais pas faire une photo. Je suis pas un paparazzi, je veux pas faire de photo moi. Oh, ici on a du lourd. Voilà. Il a tapé du coup, il a tapé sur l'autre soldat. Excellent. Alors c'est un campement de niveau 20. La difficulté de les tuer, c'est vraiment vraiment minime. C'est du niveau 20, c'est vraiment le niveau le plus bas. Bon, il y a peut-être qu'eux qui sont plus difficiles à tuer, ceux avec les lances. Attention, ça va péter. Ah, il m'a eu, lui. Ouais, c'est quoi, ça pète partout, là. Ouh. Ça brûle. Ah, c'est fou, ça. Oh là, on a des blessés ici.
Alors, ceux avec les lances, c'est une galère à tuer. Allez. Allez, hop. Ça, c'est fait. Oh, il est planté comme une brochette. Alors, attendez, est-ce que je peux le soigner, lui? Ouais, nickel. Voilà. Merci. Eh ben, bougez-vous. Mais je peux pas passer. Bouge. Alors, c'est bientôt fini ou pas? Ouais, ici. Regardez, on a un beau petit coffre ici à récupérer. C'est nickel. Ah, du niveau 20, ça va tout seul. Franchement, c'est vraiment dérisoire au niveau difficulté, au niveau des soldats. Voilà, tout ça, c'est très très important de les récupérer. Ces matières premières, c'est pour pouvoir améliorer ton campement. Parce qu'on gère un campement également. C'est pour ça que c'est important d'attaquer ces genres de petits villages. Hop. Est-ce qu'il y a encore des ressources ou pas? Est-ce que ce village, on l'a complètement anéanti, dépouillé? Est-ce qu'on a récupéré toutes les ressources? Ah, là-bas. Ici. On va aller voir là-bas. Oh purée! Oh purée, dans quoi je m'en vais? On est dans les rapides! Attention! C'est vrai que je vois pas très bien, je trouve le jeu sombre. Je le trouve assez sombre. Alors il est où? Oh, il y a encore deux gardes ici. Allez, on va essayer de les tuer à la façon. Voilà, là, vous voyez, après, je vais pouvoir balancer une hache. Allez, hop! On n'en parle plus. J'adore cette animation-là. Je kiffe ça. Il est quelle heure? 38. Oh, ça va. Ah, j'ai ma femme qui rentre du boulot après. Alors, attendez. Je ne trouve plus! Je ne trouve plus mon marqueur! Je l'ai mis où? Je ne le trouve pas! Mais c'est pas possible! Ah, il est là! Regardez! Ici! 18 mètres, voilà! Il lui fait rien, lui, il attend! Ça bouge ou quoi? Ah, c'est ici, d'accord. Apparemment, ça serait là. Donc, il va falloir certainement... Ben, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire pour le récupérer. Je sais pas du tout. Aucune idée. Ah, ici, voilà. Allez, on va faire péter la jarre. Voilà, je pense que c'est trop source. Je prends feu ou quoi? Oh! On dirait que je prends feu. Ah, l'étoile dernière! Allez, on y va! On va forcer ce coffre. Ça, c'est excellent, ça. Matière première comme ça, c'est excellent. Et voilà, monastère de Sudwella est tout simplement fini. Et ben moi, je vais vous laisser sur ça. Sur cette... sur cette attaque de monastère, voilà. Bon, c'est simple, vous avez vu, c'est hyper simple. Quand vous êtes là, je suis puissance 60, je pense. Là, je suis un monastère de niveau 20. C'est assez simple à aller attaquer tout simplement.
Voilà. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Encore une fois, c'est un peu la déception. Voilà, il y a eu du passage quand même. Hein. Encore un grand merci pour ceux qui sont passés faire un petit coucou. Merci Halloween également. Ça me fait tout le temps plaisir. Sans ça, je pense qu'il y a eu encore d'autres personnes, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, merci à tous. Voilà, profitez bien de votre week-end. Prenez soin de vous, c'est important. Et bon, on se dit peut-être à 7 après-midi. Demain, il n'y aura pas de live du tout. Demain. Mais pas, j'aurai pas. Ce sera à repos, tout simplement. Et peut-être cet après-midi, je continuerai. Voilà, là, tout dépendra encore une fois de ma forme. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt. Bisous. Bye bye. À la revoyure.